Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons nous lever pour commencer le culte de ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, psaume au chapitre 150. Psaume 150, je lis la parole. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec la harpe, avec la luth et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Je me presse sur la route du ciel, louez au chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La pluie trouvé, place-moi Seigneur au lieu, lève-moi, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester où doute s'élève et peur abatte. Que certains restent où nous allons, je prie, je vise les lieux plus haut. Que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute jamais trouvée, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je veux atteindre le sommet et voir lui je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée, place-moi, Seigneur, au lieu. Que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Élevons tous nos voix, remettons le culte de ce matin entre les mains de Dieu. Thank you.
sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, lève-moi. Sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci ce matin, car tu nous as accordé le souffle de vie. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, soit avec les chants, soit avec le compteur de chants.
chaque jour, et je te serai, je crierai, car je suis là. Oh, combien, combien il est bon, quel est ce merveilleux amour.
nombreux, quel amour. Merveilleux amour, oh quel merveilleux amour. Aimez-moi, un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai, m'envolerai au gloire de Dieu. Oh, j'irai là-haut. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Oh, je m'envolerai, m'envolerai au gloire. Oh, j'irai là-haut. Alléluia, tout à l'heure, juste encore un peu de temps et alors je m'envolerai dans ce pays où la joie demeure. Oh, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire de Dieu. Oh, j'irai là-haut, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Quand l'ombre de ma vie sera partie, comme un oiseau libéré de prison, je m'envolerai. Oh, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire de Dieu. Oh, j'irai là-haut, alléluia, tout à l'heure. Saint, Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon. Oh, donnez-moi, pasteur, donnez-moi, bien-aimé, donnez-moi. Il est si bon. Oh, donnez-moi, bien-aimé, donnez-moi, pasteur, donnez-moi. Il est si bon pour moi. Tes mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons. Il est si bon. Oh, donnez-moi, donnez-moi, ma sœur, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Ma sœur, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Everlasting Father, Père éternel, King of Kings, Lord of Lords, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Lord, it is a privilege for us to be together this morning. Seigneur, c'est un privilège pour nous d'être ensemble ce matin. Because your word said it's good for your children to be together, there you bless them. Car ta parole dit que c'est bon pour tes enfants de se rassembler et que là tu vas les bénir. Father, Lord, we invite your presence in our midst this morning. Père Seigneur, nous invitons ta présence au milieu de nous ce matin. Lord, come and forgive our sins. Père, viens et pardonne nos péchés. And heal every disease in our midst this morning.
et guéris chaque maladie au milieu de nous ce matin. Lord, we also pray, Lord, that you will circumcise our ears and our hearts. Nous prions aussi que tu circoncire nos oreilles et nos cœurs. So that the word that will come out will find the right place in our heart, Lord. Pour que la parole qui va sortir puisse trouver la bonne place dans nos cœurs. Because you said, if ye abide in my word and my word abide in you, ask whatever you will. Car tu as dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Lord, we need the baptism of the Holy Spirit this morning, Lord. Seigneur, nous demandons le baptême du Saint-Esprit ce matin. Lord, we pray, Lord, that you will circumcise every heart this morning. Seigneur, nous prions que tu puisses circoncire chaque cœur ce matin. And fill us with the power of your resurrection this morning. Et remplis-nous de la puissance de ta résurrection ce matin. We also pray for our sister churches. Et nous prions aussi pour nos églises sœurs, your sons and daughters that are gathered around the world, tes fils et tes filles qui sont rassemblés tout autour du monde. We pray that your presence will be there to bless them also. Et nous prions que ta présence soit là pour les bénir également. Grant it, Lord, in Jesus' name we ask and pray. Accorde-le, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, we nous demandons pray for our brother Corneille. Et nous prions aussi pour le précieux frère Corneille, who is now preaching in Zion Tabernacle in Kinshasa, qui est en ce moment en train de prêcher au tabernacle de Sion à Kinshasa. May the Lord give him the right word to speak to his children. Que le Seigneur puisse lui donner les paroles correctes à parler à ses enfants. Grant it, Lord, in Jesus' name we ask and pray. Accorde-le, Seigneur, nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You may be seated for the moment. Vous pouvez vous asseoir en ce moment. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. It is always a privilege to come together. C'est toujours un privilège de venir ensemble. God like it so much. Dieu aime tellement que nous fassions ça. Amen. That's why when he came in the flesh, c'est pour ça que quand il est venu dans la chair, said, oh Jerusalem, how much I want to gather you as a hen gather his children, but you would not. Il a dit, oh Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme la poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Amen. Amen. So, brother Corneille is sending his greeting to you. Donc, le précieux frère Corneille envoie ses salutations. Amen. And he is preaching this morning in Sion, it's Rishon. Rishon Tabernacle. Ah, je m'excuse, ce n'est pas Sion Tabernacle, c'est le Tabernacle Rishon. Rishon Tabernacle. Le Tabernacle Rishon. Non, non, non. Yeah, yeah. Today he will preach in Grace Tabernacle. Donc en fait aujourd'hui il prêche à Grace Tabernacle. And then next Sunday he will be in Rishon. Et le dimanche suivant, il sera au tabernacle Rishon. Amen. Alléluia. He's sending his greetings. Et donc, il envoie ses salutations. And may the Lord be with him over there also. Que le Seigneur puisse être avec lui là-bas. And this week, brother Enoch called me. Donc cette semaine, le précieux frère Enoch m'a appelé. That his wife was taken to hospital. Pour dire que sa précieuse épouse a été hospitalisée. And then she had some operation. Et elle a dû être opérée. And when he called me, I asked him to give her the phone. Il m'a téléphoné, je lui ai demandé de passer le téléphone à son épouse. So he passed the phone to the wife, then I prayed for her. Et donc il a passé le téléphone à son épouse et j'ai prié pour elle. Before the operation. Avant l'opération. And then the operation was successful. Et donc l'opération a été un succès. And now she came out. Et maintenant elle est sortie. And now normally he's supposed to be here this morning. Et normalement il était prévu qu'il soit ici ce matin. But he said because of the operation, the wife cannot walk alone. Et pour le moment, à cause de l'opération, son épouse ne peut pas encore marcher seule. So he had to stay home to take care of, to assist her in everything she wants. Et donc, il a dû rester à la maison pour l'assister en toutes choses qu'elle avait besoin. Amen. And we thank the Lord for that. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. And you know, brother Paul Matiaba. Vous connaissez le précieux frère Paul Matiaba. In Kinshasa. À Kinshasa. And he asked some assistance from Amen Tabernacle. Et il a demandé de l'aide de Amen Tabernacle. So when brother Corneille was going.
Et donc quand frère Corneille a voyagé, we gave him some money to give him. Et nous avons donné de l'argent pour qu'il puisse le lui remettre. And, he's thanking you for it. Et il est en train de vous remercier pour cela. And then we also help him another with some money again. Et une deuxième fois, nous l'avons aidé encore avec de l'argent. So he's grateful to Amen Tabernacle. Et donc, il est reconnaissant à Amen Tabernacle. And he's greeting the church. Et il salue l'église. Amen. Amen. Because he has a big job there. He's taking care of some children. Et il fait un grand travail là-bas. Il prend soin des enfants. The abandoned children. Des enfants abandonnés. And the orphans. Et les orphelins. Amen. As the Bible says, even a cup of water to those little ones will be rewarded. Et la Bible déclare que même un verre d'eau à ces petits qui croient en lui sera récompensé. And then the brother is there, busy to teach them the word of God. Et le frère s'emploie à leur apprendre la parole de Dieu. Though he's not a pastor, malgré qu'il n'est pas un pasteur, but he's a good Sunday school teacher. Mais c'est un excellent enseignant de l'école du dimanche. Amen. He's very well by teaching the children the word of the Lord. Et il est très bon à enseigner aux enfants la parole. Even he's inviting me to come there. Et il a aussi dit Pasteur Adams à se rendre là-bas. Yeah, I don't know, but we are going to put everything in the hand of the Lord. Je ne sais pas, mais nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. Amen. So we are going to also pray for him that the Lord help him to continue the work he's doing. Le travail qu'il est en train de faire. Amen. Amen. May the Lord bless you richly. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. So, let's stand on our feet to, as we are reading the word of the Lord. Mettons-nous debout alors que nous allons lire si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres, chapter 13, au chapitre 19. Non, 13. Ah, chapitre 13, pardon. 13. 30. Chapitre 13, verset 30. So that's what Brabana read, but I want us to start from 29. C'est l'écriture que Frère Branham a lu, mais nous allons commencer au verset. If you can start 29. 21. Si nous pouvons commencer au Nombre, chapitre 13, verset 21. Non, 29. Oh, pardon. Sorry. 29. Ah, 29. Verset 29, pardon. Chapitre 13, verset 29. Désolé. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Tatites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains of the Canaanites. And the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. And Caleb. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. 31 also. Verset 31 aussi. But the man that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. Amen. Heavenly Father, Père Céleste, thank you once again for the reading of your word. Merci encore une fois pour la lecture de ta parole. Lord, we thank you for your presence in our midst. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Because you are the word, car tu es la parole. And wherever the word is preached, there you are there to confirm it, Lord. Partout où
ta parole est prêchée, tu es là pour la confirmer. Lord, we just read it as a man. Nous venons juste de la lire en tant qu'homme. Because we went to school, we can read. Parce que nous avons été à l'école, nous pouvons lire. But you are the one that can interpret it for us. Mais tu es celui qui peut en donner l'interprétation. Because the word is a sealed book. Car la parole est un livre scellé. Nobody can understand it except you only. Personne ne peut le comprendre. Seulement toi peux l'ouvrir. Lord, that's why we are praying, Lord, that you come and take that word in our and bring it to in our heart and interpret it to us, Lord. C'est pour ça que nous prions que tu prennes cette parole et que tu la places dans nos cœurs et que tu l'interprètes dans nos cœurs. Lord, may you bless your children who are here and those who are on the line listening to us. Seigneur, puisses-tu bénir tes enfants qui sont ici et ceux qui sont en ligne et qui nous écoutent. And we also thank you for the operation of the wife of Brother Enoch. Et nous te remercions aussi pour l'opération de l'épouse de frère Enoch. Lord, we believe that your hand was upon the surgeon. Seigneur, nous croyons que ta main était sur le chirurgien. Because you were the first surgeon in the world. Car toi-même, tu es le premier chirurgien dans le monde. The Bible says you took the rib of Adam and made Eve. Et la Bible dit que tu as pris une côte chez Adam et tu as fait Ève. And you close it even there is no trace. Et quand tu as refermé, il n'y avait même pas de traces. Lord, we also thank you, Father, for our brothers and sisters who are sick and afflicted in our midst. Et Père, nous te remercions également pour nos frères et sœurs qui sont malades et affligés au milieu de nous. Because we believe that you healed them at Golgotha. Car nous croyons que tu les as guéris à Golgotha. And now, by faith, we claim every possession that we have in the world. Et maintenant, par la foi, nous réclamons chaque propriété que nous avons dans la parole. Lord, come and feed your children with your word. Seigneur, viens et nourris tes enfants avec ta parole. Because you said there will be a time that there will be famine, not with bread, but the famine to hear the word of the Lord. Car tu as dit, il y aura un temps où il y aura une famine, non pas de pain, mais la famine d'entendre les paroles du Seigneur. Lord, let open our ears. Seigneur, puisses-tu ouvrir nos oreilles to hear the word, Lord. Pour entendre la parole. Grant it in Jesus' name, we ask and pray. Accorde-le, nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. And today I want to speak about the decision of the power of a decision. Aujourd'hui, je veux parler sur le sujet la puissance de la décision. Amen. The power of a decision. La puissance de la décision. Because everything you do in life, chaque chose que vous faites dans la vie, you have to decide. Vous devez décider. Amen. And when you decide to do anything, et quand vous décidez de faire n'importe quelle chose, it is, there's a power behind it. Il y a une puissance là derrière. Amen. You decide to if you decide to follow the Lord, si vous décidez que vous allez suivre le Seigneur, or you decide to get married, si vous décidez que vous allez vous marier, amen, you prepare yourself, vous allez alors vous préparer, you ask your the girl that you want to marry, vous allez demander à la fille que vous voulez marier, and she has a decision to take, et elle aussi a une décision à prendre, amen, whether to marry you or not. Est-ce qu'elle va vous marier ou pas? So she has to take a decision. Elle doit prendre une décision. Amen. In everything every decision you take, chaque décision que vous prenez, there's a power behind it. Il y a une puissance là derrière. Amen. Amen. And as we just read the word, comme nous venons juste de lire dans la parole, and we know the Bible is the end of everything. Nous savons que la Bible, c'est la fin de toute chose. Abraham said here, I believe the Bible. Et frère Branham dit ici, je crois la Bible. And that settled it. Et ça, c'est la fin de toute chose. What the Bible says is the truth. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. And that is just all there is to it. C'est tout ce qu'il y a à propos de ça. This is what I live by.
C'est ce par quoi je vis. I want to die by it. Et je veux mourir par ça. And the rest of them that die by it went to heaven by it. Et tout le reste d'entre eux qui sont morts avec ça sont allés au ciel avec ça. Amen. And Amen. That is where I want to go. Et c'est là que je veux aller. Amen. We just stay right with this old story. Nous voulons demeurer tout droit avec cette vieille ancienne histoire. Amen. I think 2 weeks ago I preached on the power of the devil. Je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai prêché sur le sujet de la puissance du diable. Amen. These 3 powers that Branham spoke of. Frère Branham a parlé de 3 puissances. The power of God. La puissance de Dieu. The power of the devil. La puissance du diable. And the power of decision. Et la puissance de la décision. Amen. Amen. All those things, they are powers. Toutes ces choses sont des puissances. Amen. The power of the devil is death. La puissance du diable, c'est la mort. Amen. He can go up to death. Il peut aller jusqu'à la mort. That is his last point, death. Et ça, c'est son dernier arrêt. And when he reached death. Et quand il a atteint la mort, the power of God is to raise you from the dead. Et maintenant la puissance de Dieu, c'est de vous ressusciter des morts. Amen. Alléluia. The power of God, Satan can expand his power, it can use his power to the end to kill you and put you into the grave. Satan peut répandre sa puissance jusqu'à vous conduire à la mort et et on vous met à la tombe et c'est la fin. But he cannot raise you. Mais Satan ne peut pas vous ressusciter. But the power of God can raise you. Mais la puissance de Dieu peut vous ressusciter. The power of God has no limit. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Amen. Amen. But before you get in that power of God, mais avant d'atteindre cette puissance de Dieu, there is a power of decision. Il y a une puissance de décision. You can decide whether to follow God. Vous devez décider est-ce que vous allez suivre Dieu or to follow Satan. Ou alors vous allez suivre Satan. Amen. Amen. So if you follow Satan, si vous suivez Satan, his power is to put you in the grave. Sa puissance, c'est de vous conduire à la tombe. And then when he reached the death, he stopped there. Et quand vous atteignez cette mort, lui s'arrête. Amen. But God's power has no limit. Mais la puissance de Dieu n'a pas de limite. Even if Satan put you in the grave, même si Satan vous met dans la tombe, the power of God will raise you up. La puissance de Dieu va vous ressusciter. Amen. Amen. The same power that raised Jesus Christ from the dead. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Amen. Amen. So the same power is in us. La même puissance est en nous. In the form of the Holy Spirit. Sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Amen. But before you can get the Holy Spirit, mais avant de recevoir le Saint-Esprit, there's 3 steps. Il y a 3 étapes. Amen. Justification, la justification, sanctification, la sanctification, and the baptism of the Holy Spirit, et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. So when you are baptized by the Holy Ghost, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, then you start a journey with God. Alors vous commencez un voyage avec Dieu. You become a son of God. Vous devenez un fils de Dieu. Because His Spirit is leading you. Parce que son Esprit vous quitte, vous guide. Amen. Pardon. And then. Et alors, you become the target of the enemy. Vous devenez la cible de l'ennemi. Amen. Amen. Because the war is not the physical war. Parce que la guerre n'est pas une guerre physique. But a spiritual war. Mais c'est une guerre spirituelle. Because God is a spirit. Parce que Dieu est esprit. Satan is a spirit. Satan lui aussi est un esprit. And they are fighting each other. Et ils se combattent l'un l'autre. And then we are they are soldiers. Et nous sommes des soldats. Amen. Amen. We are the ground that they are standing on to fight. Nous sommes le terrain sur lequel ils se tiennent pour combattre. Amen. Amen. If you want to make yourself the ground of God, Christ, vous pouvez faire de vous-même le terrain de Christ, or the ground of Satan, ou alors le terrain du diable. Amen. It depends. C'est on you. Ça dépend de vous. You have to decide. Vous devez décider. Amen. So it's better to decide in the side of God. C'est mieux de décider d'être du côté de Dieu. Amen. Amen. Because the side of God, parce que le côté de Dieu, there's eternity. Il y a l'éternité. Amen. Amen. All the two powers, les 2 puissances, every power is giving its best. Chaque puissance donne de son meilleur. Amen. So the best of God,
Le meilleur de Dieu, it's eternal life. C'est la vie éternelle. The best of Satan, le meilleur de Satan, is death. C'est la mort. Amen. Alléluia. Alléluia. The Bible says death is the wages of sin. La Bible dit que la mort c'est le salaire du péché. Amen. But faith, mais la foi, bring us salvation. Nous apporte le salut. We are saved by grace. Nous sommes sauvés par la grâce. Through faith. Au travers de la foi. Amen. The faith is a gift from the Lord. La foi est un don de Dieu. Amen. Amen. God saved you by grace. Dieu vous a sauvé par grâce. There is nothing you did. Il n'y a rien que vous avez fait. And there is nothing you will do. Il n'y a rien que vous puissiez faire. To satisfy God. Pour satisfaire Dieu. Or to inherit your salvation. Ou pour mériter votre salut. No. Non. Because we are all born in sin. Parce que nous sommes tous nés dans le péché. Shaped in iniquity. Formés dans l'iniquité. No way to be saved at all. Aucun moyen d'être sauvé. But God by grace. Mais Dieu par grâce. Saved us. Nous a sauvés. And he sent the Savior. Et il a envoyé le Sauveur. To pay the price that we cannot pay. Pour payer le prix que nous ne pouvions pas payer. Amen. Amen. God requires the blood of an innocent. Dieu a exigé le sang d'un innocent. But we are not innocent. Mais nous ne sommes pas innocents. We are born in sin. Nous sommes nés dans le péché. We are sinners. Nous sommes des pécheurs. Even our blood is a sin to begin with. Même notre sang, c'est le péché pour commencer. Amen. Amen. Oui, monsieur. In us, there is nothing that will make God to be okay. You are saved by your own works. En nous, il n'y a rien qui va faire dire à Dieu, ok, vous êtes sauvés par vos propres œuvres. Amen. When God looked all over the world, quand Dieu a regardé partout dans le monde, no one was worthy. Personne n'était digne. That's why he sent Jesus the worthy one. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ, the worthy one, the one that is worthy, celui qui était digne, so that he can die for we the guilty. Pour qu'il puisse mourir pour nous qui étions coupable. Amen. Amen. But you cannot accept it. Mais vous ne pouvez pas l'accepter. Unless God by predestination. À moins que Dieu par la prédestination. Pre-election. La préélection. Give you the faith to believe it. Vous donne la foi pour le croire. Amen. Amen. Even the faith is a gift. Même la foi est un don. Amen. So now, when you have faith, maintenant quand vous avez la foi, you have to thank the Lord. Vous devez remercier le Seigneur. Because it is not your own effort. Parce que ce n'est pas votre propre effort. Amen. Amen. It's not your own effort. Ce n'est pas votre propre effort. Amen. Amen. That God can say, okay, because you've done it, I'm going to do this for you. No. Pour que Dieu puisse dire, ah, mais parce que vous avez fait ceci, je vais faire cela pour vous. God doesn't do business like that. Dieu ne fait pas ses affaires de cette manière-là. He just saves you by grace. Il vous sauve juste par grâce. That is the plan of salvation. Ça, c'est le plan du salut. He chose Abraham. Il a choisi Abraham. Not because Abraham was better than the rest. Pas parce que Abraham était mieux que le reste. Maybe there were better people than Abraham. Peut-être qu'il y avait des gens meilleurs qu'Abraham. Amen. But he chose him. Mais il l'a choisi. Abraham didn't say, "Ah, God, come and choose me. I want to be the father of the world." No. Abraham n'a pas dit, "Dieu, viens et choisis-moi. Je veux être le père des nations." But when Abraham, God called Abraham. Mais quand Dieu a appelé Abraham, he had to take a decision. Il a dû prendre une décision. To leave his country. De quitter son pays. To leave everything that his society. De quitter toute sa société. To leave his church. De quitter son église. To follow the Lord. Et de suivre le Seigneur. So he had to make a decision. Donc il a dû faire une décision. Whether to stay or to follow the Lord. Est-ce que je reste ou alors je vais suivre le Seigneur? Amen. And his decision was to follow the Lord. Et sa décision était de suivre le Seigneur. Amen. Amen. By inspiration. Par inspiration. God gave him the power to follow him. Dieu lui a donné la puissance de le suivre. Amen. Amen. That's what the Lord Jesus Christ said. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Nobody can come to me except my Father calls you first. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père ne le ne
nous l'appelle. Amen. Merci frère. Merci frère Christian. The Father calls not that God will just come. Okay, you come, you know. No. Le Père ne va pas venir et dire vous venez. Non. Amen. The call was in you before the foundation of the world. L'appel était en vous avant la fondation du monde. Amen. Amen. The call was in you. L'appel était en vous. But it was sleeping. Mais ça dormait. So the word will come. That's why he sent the word. C'est pour ça qu'il a envoyé la parole. In the form of the Holy Ghost. Sous forme du Saint-Esprit. To quicken that call. Pour vivifier cet appel. And when you hear the word, et quand vous entendez la parole, the call, something jump in your heart. Il y a quelque chose qui saute dans votre cœur. Amen. Then you say amen to that. Et vous dites amen à ça. Amen. And when you say amen to that, et quand vous dites amen à ça, something is born in you. Quelque chose est né en vous. Now you have to feed the thing that is born in you. Et alors vous devez nourrir la chose qui est née en vous. Amen. Amen. And that thing that is born in you, et la chose qui est née en vous, only feeds by the word of the Lord. Se nourrit seulement de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Not a creed. Pas d'un credo. The creed will kill you. Un credo va vous tuer. But the word of God will bring you to the presence of the Lord. Mais la parole de Dieu va vous conduire dans la présence de Dieu. Amen. Oui, monsieur. We saw that Israel. Nous avons vu que Israël, the power of the devil and the power of the Lord, dans le serment la puissance du diable et dans le serment la puissance du Seigneur. And you know that Satan always wants to block the work of God. Satan veut tout le temps bloquer le travail de Dieu. Amen. Amen. The seed, la semence that God wants to sow in the world, the devil wants to cut it off. La semence que Dieu veut semer, le diable veut vraiment la retrancher. Amen. He's only stand in the way of the Lord. Il se tient toujours pour bloquer le chemin du Seigneur. Amen. We saw it in the Garden of Eden. Nous avons vu ça dans le jardin d'Éden. Amen. Abel was the seed, the true seed of Adam. Abel était la semence, la véritable semence d'Adam. Cain was the seed of the serpent. Et Caïn était la semence du serpent. And the devil, you see, he just want to cut it off. Et le diable voulait juste la retrancher. Amen. He killed Abel. Il a tué Abel. Amen. And God raised Seth at his place. Et Dieu a suscité Seth à sa place. Amen. And we saw it when Moses was to be born. Et nous avons vu ça quand Moïse devait naître. Amen. And then he knew that the deliverer was to be born. Il savait que le libérateur devait naître. So he started to kill all the male children of the Jews in Egypt. Alors il a commencé à tuer tous les enfants mâles des Hébreux en Égypte. Amen. To cut that deliverer. Pour être sûr de retrancher ce libérateur. But God is wiser than him. Mais Dieu est plus sage que lui. Amen. Amen. God took the deliverer. Dieu a pris le libérateur. Come and be raised in the family of the enemy. Et il a mis pour qu'il soit élevé dans la famille de l'ennemi. Amen. Amen. He took him. Il l'a pris. And then the enemy took care of him. Et c'est l'ennemi qui a pris soin de lui. To raise him. Pour l'élever. To make him strong. Pour le fortifier. And the same Moses destroyed them. Et c'est le même Moïse qui les a détruits. Amen. In the Red Sea. Dans la mer Rouge. Amen. You cannot stop God. Vous pouvez pas stopper Dieu. If you try to stop God, si vous essayez d'arrêter Dieu, you are trying to stop yourself. En fait, vous essayez de vous arrêter vous-même. Amen. Oui, monsieur. Because the power of God that came down from heaven. Parce que la puissance de Dieu qui descend du ciel is too strong. Est trop grande. If you want to block it, it will take you away. Si vous essayez de la bloquer, elle va vous arracher avec. Amen. The Bible says the word of God is a hammer. La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau. Amen. Breaking every fetter. Qui brise chaque chaîne. It's also a sword. C'est aussi une épée. To pierce every enemy. Pour percer chaque ennemi. Amen. Amen. So he is the weapon himself. Il est lui-même l'arme. Amen. Alléluia. So now, maintenant,
When Christ was to be born, quand Christ devait naître, the savior of the world, le sauveur du monde, he knew that. Il savait ça. So he started to kill every male child. Il a commencé à tuer tous les enfants mâles. Amen. Just to block the blessing. Pour stopper la bénédiction. But God is wiser than him. Mais Dieu est plus sage que lui. He killed some innocent children. Il a tué des enfants innocents. But the work of the Lord continued. Mais l'œuvre du Seigneur a continué. Amen. Amen. And now, at the end, et maintenant à la fin, he was at the cross. Il se tenait à la croix. Amen. Amen. Then he thought that now I got him. Et il a pensé, oh, maintenant je l'ai. So he came as a bee. Il est venu comme une abeille. So we sting him. Et il a piqué. Then he hold the sting. Et il a saisi l'aiguille. L'aiguillon. Yeah, he's hold it. Et il a saisi l'aiguillon. Then he flew back. Et il est parti. And then it stayed in the body of Jesus Christ. Et l'aiguillon est resté dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Now he cannot sting. He cannot sting you anymore. Maintenant, il ne peut plus vous piquer. Amen. He's just. Il peut arriver bourdonner beaucoup, mais il ne peut rien faire. The only thing he can do, la seule chose qu'il peut faire, when God finish with you, quand Dieu a terminé avec vous, then he hand you over to him. Il doit vous transférer à Dieu to bring you to in his presence. Pour vous apporter dans sa présence. Amen. You know why? Vous savez pourquoi? In God there's no death. En Dieu, il n'y a pas de mort. So God cannot kill you. Donc Dieu ne peut pas vous tuer. Because this is not his nature. Parce que ce n'est pas sa nature. His nature is eternity. Sa nature, c'est l'éternité. But that's why he make Satan. C'est pour ça qu'il a fait Satan. So if he want you to, if he want to call you, donc si il veut vous appeler, then he can say Satan, okay, bring my son home. Alors il peut dire Satan, très bien, ramène mon enfant à la maison. Amen. Amen. As I used to say, comme je le dis d'habitude, Satan has a lot of taxis. Satan a beaucoup de taxis. Amen. Corona is one of his taxis. Le corona, c'est un de ses taxis. AIDS is one of his taxis. Le sida, c'est un de ses taxis. Heart attack is one of his taxis. La crise cardiaque, c'est un de ses taxis. Amen. Killing you, the gun is one of his taxis. Les fusils sont un de ses taxis. Amen. The knife to choke you is one of his taxis. Un couteau qui vous poignarde, c'est aussi un de ses taxis. Poisoning is one of his taxis. L'empoisonnement, c'est aussi un witchcraft de ses taxis. Witchcraft is one of his taxis. La sorcellerie, c'est aussi un de ses taxis. Amen. But if God didn't finish with you, mais si Dieu n'a pas terminé avec all vous, all those things cannot happen. Toutes ces choses ne peuvent pas se produire. Because otherwise, it's contrary to the word of God. Parce que autrement, ce serait contraire à la parole de the Dieu. The Bible says that no weapon forged against you will prosper. Car la Bible dit, aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Amen. Amen. Any tongue that you raise, you condemn it. Toute langue qui se lèvera, tu la condamneras. Amen. Amen. So God has given us the power. Donc Dieu nous a donné la puissance. To fight as long as we are in His program. Pour combattre aussi longtemps que nous sommes dans son programme. Amen. Because we are soldiers. Parce que nous sommes des soldats. Amen. And to be a soldier. Et être un soldat. First, there's one thing to do. Première chose à faire. You have to quit. You have to leave your house. Vous devez d'abord quitter votre maison. And go to the front line. Et aller à la ligne de front. Amen. And we, our house is ourselves. Et nous, notre maison, c'est nous-mêmes. So we have to leave ourselves. Donc nous devons nous quitter nous-mêmes. Our understanding. Notre compréhension. Our reasoning. Notre raisonnement. And come face to face with Satan. Et venir face à face avec Satan. Spiritually. Spirituellement. And we have our weapons. Et nous avons notre arme. Amen. That is the word of the Lord. Qui est la parole de Dieu. With faith. Par la foi. And God, Satan has his also weapon. Et Satan lui aussi a son arme. Reasoning and unbelief. Le raisonnement et l'incrédulité. Amen. Amen. How do you know it will happen? Comment savez-vous que cela va se passer? God said so. Dieu l'a dit. Amen. Amen.
God said so. Dieu l'a dit. I believe it. Je le crois. That settles it. Et ça règle la question. Amen. Amen. There is no way to reason it. Il n'y a aucun moyen de le raisonner. Because Satan is the king of reasoning. Parce que Satan est le roi du raisonnement. Amen. Amen. And Jesus is the king of faith. Et Jésus est le roi de la foi. Amen. Amen. By faith we believe. Par la foi nous croyons. And we, by faith we are saved. Et par la foi nous sommes sauvés. Amen. We are, that's why we are here this morning. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Amen. Brother Branham said here in 12. Okay. Frère Branham dit ici au paragraphe 12. He said, do you know that there is something that we have to do that God cannot do until we do it? Savez-vous qu'il y a certaines choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire jusqu'à ce que nous les ayons fait nous? Did you know that? Saviez-vous cela? Amen. He said, look, we are the branches. Il dit, regardez, nous sommes les branches. He is the vine. Il est la vigne. And the vine cannot bear fruit. Mais la vigne ne peut pas porter du fruit. It is the branches that bear fruit. Ce sont les branches qui portent du fruit. Amen. He said he finished the energy. Il dit il va fournir l'énergie. But we got to do the job. Mais nous devons faire le travail. Amen. Amen. That's why I said at that time. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois. Amen. Without us, God cannot do anything. Sans nous, Dieu ne peut rien faire. It's not that God is the powerless. He's a strong God. Ce n'est pas que Dieu est un Dieu sans puissance. C'est un Dieu très fort. But concerning we human beings, mais concernant nous, les êtres humains, God wants to use a human being to bless a human being. Dieu veut utiliser un être humain pour qu'il soit la bénédiction d'un autre être humain. Amen. Ah, you want to use human beings to preach the gospel. You want to use human beings to preach the gospel. Il veut utiliser un être humain pour prêcher l'évangile. Everything for salvation. Everything he wants to associate us to his plan. Toute chose concernant le salut, il veut nous associer à son plan. He's not a selfish God. Ce n'est pas un Dieu égoïste. I am strong. I am God. That settles it. Oh, je suis fort, je suis Dieu et ça règle tout. No. Non. He want to share. He want to do. Okay. Can you do, you do it? This one will do that. This one will do this. Il veut dire, il veut partager. Il veut pouvoir dire, ok, toi tu vas faire ceci et l'autre va faire cela et l'autre va faire une autre partie. Amen. There is no little office in the house of God. Il n'y a pas de petite fonction dans la maison de Dieu. Amen. Whether you are a prophet or a preacher. Que vous soyez un prophète ou un prédicateur, you are not bigger than those you who are sitting here. Vous n'êtes pas plus grand que ceux qui sont assis ici. Because in the kingdom of God, parce que dans le royaume de Dieu, we have the same uniform. Nous avons le même uniforme. Alléluia. Whether you are poor, que vous soyez pauvre, rich, ou que vous soyez riche, black, white, que vous soyez noir ou blanc, so we have the same Holy Ghost. Nous avons le même Saint-Esprit. Amen. Oui, so the Holy, same Holy Ghost is only that is the only one recognized in heaven. Amen. The only the Holy Ghost is the only thing recognized in heaven. Donc seulement le Saint-Esprit est la chose qui est reconnue là-bas dans le ciel. Amen. Amen. Amen tabernacle is not known in heaven. Amen tabernacle n'est pas connu là-bas dans le ciel. But you are known in heaven. Mais vous, vous êtes connu dans Because le ciel. You are the temple of God. Parce que vous, vous êtes le temple de Dieu. Amen. Amen. As long as the Spirit of God is in you, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est en vous, you are a member of the kingdom of God. Vous êtes un membre du royaume des cieux. That's what Jesus said. C'est pour ça que Jésus a dit, the kingdom of God is within you. Le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. So don't go somewhere to look for it. Mais donc n'allez pas courir quelque part pour le trouver. It is in you. Il est en vous. And nobody can put it in you. Et personne ne peut le placer à l'intérieur nobody de vous. Nobody can take it out of you. Et personne ne peut l'enlever de l'intérieur Amen. De vous. It is the work of the Lord. C'est le travail du Seigneur. Amen. Amen. So the work of God. Donc le travail du Seigneur. Human being cannot twist with it. L'être humain ne peut pas tourner ça, mélanger ça. Yeah, yeah.
So we have to leave it pure. Nous devons le laisser pur. God made it. Dieu l'a fait. God said it. Dieu l'a dit. I believe it. Je le crois. And I'm moving on. Et j'avance avec ça. Amen. Amen. The Holy Spirit here tonight, I can say this morning. Le Saint-Esprit ici ce soir, mais nous allons dire ce matin. As we see it, I can say every Sunday or every day in our lives. Comme nous le voyons chaque dimanche ou chaque jour dans nos vies. But the only way he speaks is through us. Mais la seule façon dont il parle, c'est au travers de nous. Amen. Amen. We are his hands. Nous sommes ses mains. We are his eyes. Nous sommes ses yeux. Amen. Amen. We are his body. Nous sommes son corps. Our hands are his hands. Nos mains sont ses mains. Amen. You have to put that one in your mind. Vous devez donc saisir ça dans votre pensée. That Jesus is in me. Que Jésus est en moi. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Amen. Alléluia. That's good. C'est If bon. God is in you, si Dieu est en vous, who can stand against you? Qui peut se tenir contre vous? Nobody. Personne. Because he defeated the one that can stand against you. Parce qu'il a vaincu celui qui peut s'opposer à vous. Amen. Amen. The devil. Le diable. Amen. People say, "Ah, the devil made me do this." Les gens disent, "Oh, le diable m'a fait faire ceci." No. You let yourself do it. C'est vous-même qui vous êtes laissé aller à faire ça. If you decide to follow God, si vous décidez que vous allez suivre Dieu, the power of your decision will let God protect you. La puissance de la décision va faire que Dieu va vous protéger. Amen. Amen. Notice. Remarquez. He gives us things. Remarquez qu'il nous donne des choses. So there was Jesus standing one day. Là se trouvait Jésus qui se tenait là un jour. Looking upon the harvest. Et il regardait la récolte. Do you believe that he was the Lord of the harvest? Est-ce que vous croyez qu'il était le Seigneur de la récolte? And he looked upon the harvest and said. Et il a regardé la récolte et il a dit, you pray the Lord of the harvest. Il a dit, vous priez le Seigneur de la récolte. That he will send laborers into his harvest. Afin qu'il envoie des laboureurs dans sa récolte. Because the harvest is ripe. Parce que la moisson est mûre. And the laborers are few. Mais les laboureurs sont très peu nombreux. Amen. 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 You ask me to do. What I know that is ought to be done. En d'autres mots, vous demandez-moi de faire ce que je sais qui doit être fait. He could not do it. Jésus ne pouvait pas le faire. Until they ask him to do it. Jusqu'à ce qu'il lui demande de le faire. Amen. Amen. So we have to ask God all the time. Donc nous devons demander à Dieu tout le temps. That's why God say ask. C'est pour ça que Dieu a dit demander. It will, you receive. Et vous recevrez. Knock, it will be open. Frappez et on vous ouvrira. Sometimes we say, oh, God knows everything. God knows that I need it, so I don't need to ask. Parfois nous disons, oh, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait que j'en ai besoin, donc j'ai pas besoin de demander. No. This asking is part of the plan. Non, demander fait partie du plan. Amen. Amen. God say ask. Dieu a dit demander. Ask. Alors il faut demander. If you are sick, ask your healing. Si vous êtes malade, demandez votre guérison. If you have a problem, if you cannot pay your bills, ask the Lord. Si vous avez un problème et vous n'arrivez pas à payer votre loyer, demandez au Seigneur Jésus. He said the money is mine. Il a dit, l'argent est à moi. Amen. The gold is mine. Il a dit, l'or est à moi. But we can't ask because we don't have faith. Mais nous ne demandons pas parce que nous n'avons pas la foi. But if you have the faith, mais si vous avez la foi, you ask and you keep it. As soon as you ask, mais si vous avez la foi, aussitôt que vous demandez, in your mind, you receive it already. Dans votre pensée, vous l'avez déjà reçu. Amen. But when you doubt, mais si vous doutez, will he do it? Est-ce qu'il va vraiment le faire? He will not. Est-ce qu'il ne va pas le faire? You start seeing your life. Et vous regardez à votre vie. Oh, I'm not ready. Oh non, je suis pas digne. Nobody is ready.
Personne n'est digne. The one who is worthy, if you are in the worthy, you are worthy with him. Si, celui qui est digne, si vous êtes dans le digne, vous êtes vous-même digne alors. Amen. Amen. Oui, we are not worthy. Nous ne sommes pas dignes. But God said, send somebody who is worthy. Mais Dieu a envoyé quelqu'un qui est digne. And he's inviting the whole world. Et il invite le monde entier. Come unto me. Venez à moi. All ye that labor and tired. Vous tous qui êtes fatigué et qui travaillez. I will give you rest. Et je vous donnerai du repos. The rest of your soul. Le repos de vos âmes. The rest of your petition. Le repos de vos espérances. Le repos de vos superstitions. Amen. Then you are resting upon the promise of the Lord. Et alors vous vous reposez sur la promesse du Seigneur. Amen. Amen. The book of Exodus. Le livre de l'Exode. The calling out of the people of God. La sortie du peuple de Dieu. Because we believe it is essential in this day. Parce que nous croyons que c'est essentiel dans ce jour. Amen. 20. Paragraphe 20. Paragraphe 20. He said we found out that every jewel in that book of Exodus was just a piece of the chief cornerstone. Et nous avons vu que chaque bijou dans ce livre de l'Exode était juste un morceau de la pierre angulaire principale. Amen. Pointing to the Lord Jesus. Ça indiquait vers le Seigneur Jésus. And in him dwells all the fullness of Godhead bodily. Et en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Amen. All our redemption. Toute notre rédemption. All our salvation. Tout notre salut. All our joy, peace, everything. Toute notre joie, paix, toute chose. All our healing. Toute notre guérison. All that we have need of. Tout ce dont nous avons le besoin. Rest in Jesus Christ. Demeure en Jésus-Christ. Right there. Exactement là. Amen. Alléluia. That in him we can be able to be blessed to we can all be blessed together. Et en lui nous pouvons tous être bénis ensemble. Amen. Amen. So everything that is in heaven. Donc toute chose qui se trouve dans le ciel. Everything on earth. Toute chose qui se trouve sur la terre. Is in Jesus Christ. Se trouve en Jésus Christ. Amen. Amen. Oui, monsieur. Even when you read John, the book of John 5, I think. Même quand vous lisez le livre de Jean, chapitre 5, je pense. Where it says that there are three in heaven. Qui dit il y en a trois dans le ciel. Amen. The Son, the Father. Le Père. The Word. La Parole. And the Spirit. Et l'Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. In heaven, he's the Word. Dans le ciel, il est la Parole. But on earth, here is the Son. Et ici sur terre, il est le Fils. And there in heaven. Et là, dans le ciel, they are one. Ils sont un. Amen. Amen. But here on earth. Mais ici sur la terre. The Bible says the water, the baptism, everything, they agree in one. La Bible dit que l'eau, le baptême, the baptism of the Holy Spirit and et le baptême du Saint-Esprit, sanctification and all this, they agree in one. Toutes ces choses s'accordent en une seule. You can have one. Vous pouvez avoir une des choses. Not having the two. Et sans avoir les deux autres. You can have two. Vous pouvez avoir la deuxième chose. Not having the one. Pas sans avoir la première. But before you can be perfect, mais avant d'être parfait, you have to have all the three. Vous devez avoir toutes les trois. Because they are in a series. Parce qu'elles viennent en série. Amen. Amen. So in electricity, dans l'électricité, they have a series connection. Il y a des connexions en série. And parallel. Et il y a des connexions parallèles. Amen. When it is parallel, et quand c'est parallèle, you can switch one off, the other one continue.
Vous pouvez éteindre la première et les autres continuent. But when they are in series, mais quand elles sont en série, if one is off, the whole thing is off. Si l'une d'entre elles est éteinte, toute la ligne est éteinte. Amen. Amen. But in heaven, mais dans le ciel, it's connected in parallel. C'est en connexion parallèle. But on the earth, mais sur terre, it's connected in series. C'est connecté en série. Amen. Oui, monsieur. You see, in series, what it means? En série, qu'est-ce que ça veut dire? The power comes from here. La puissance vient d'ici. It passes here. Elle passe là. Let's say this is a switch. Imaginons que c'est un interrupteur. And this is another switch. Et là, c'est un autre interrupteur. This is another switch. Et là, c'est un troisième interrupteur. For the light be on. Pour que la lumière s'allume. You have to put all the three on. Vous devez appuyer sur les trois interrupteurs. If you put one off, the light is off. Si vous éteignez un des interrupteurs, la lumière s'éteint. But in heaven, mais dans le ciel, they are in parallel. Elles sont en parallèle. So the light come like this. Et la lumière vient dans ce sens. This is one light, this is one switch, one switch, one switch. Voilà, un premier interrupteur, un deuxième et un troisième. Supplied by the same current. Et qui est fourni par le même courant électrique. So if you put one here, et si vous mettez un là, the light will be on. Et la lumière va s'allumer. If you put one, if you switch this one and put this one, it will be on. Si vous éteignez la première et vous allumez la deuxième, vous appuyez sur le deuxième, ça va quand même s'allumer. Because it's in parallel. Parce que là, c'est en parallèle. Supplied by the same power. Et c'est fourni par le même courant. The power of the Holy Spirit. Le courant du Saint-Esprit. Whether it is the Father that comes. Que ce soit le Père qui vienne, there is power. Il y a de la puissance. Amen. When he was father, quand il était Père, in the pillar of fire, dans la colonne de feu, there was the power. Il avait la puissance. When he came down in the Son, et quand il est descendu dans le Fils, the same, there was power. Donc, il y avait toujours de la puissance. Because the power was the Holy Ghost. Parce que la puissance était le Saint-Esprit. Amen. The Holy Ghost was the pillar of fire, the pillar of fire. Et le Saint-Esprit se trouvait dans la colonne de feu. In the fatherhood, dans la dispensation du Père, the Holy Spirit was doing his work. Le Saint-Esprit faisait son travail. And then he put that one off. Et alors il a éteint cette dispensation. Amen. Then he switched on the Son. Et il a allumé la dispensation du Fils. The day of the Holy, the day John baptized him. Et le jour que Jean l'a baptisé. The same power came upon him. La même puissance est venue sur lui. Amen. Then he started his ministry. Et il a commencé son ministère. The light was on. Et la lumière s'est allumée. He was the light of the world. Il était la lumière du monde. Now he put it off. Maintenant il a éteint cette lumière là. Then he owned the Holy Ghost. Et il a enclenché le Saint-Esprit. Now the Holy Ghost is in the church. Maintenant le Saint-Esprit est dans l'église. The church is not the building. L'église c'est pas le bâtiment. The Holy Ghost now is in the individual. Le Saint-Esprit est maintenant dans l'individu. And the same light is on. Et la même lumière s'allume. Amen. Amen. But when it is in series, mais quand vous le prenez en série, if you shoot one, no light. Si vous éteignez un interrupteur, il n'y a pas de lumière. If you are baptized with water, si vous êtes baptisé dans l'eau, no light. Mais il n'y a pas de lumière. The switch is on. L'interrupteur est quand même poussé, mais il n'y a pas de lumière encore. Because it needs the two has to be on for the light to be on. Parce qu'il y a deux autres interrupteurs qui doivent être aussi appuyés pour que la lumière s'allume. Then you are sanctified by the word. Alors vous êtes sanctifié par la parole. Two switches are on. Alors ça fait que deux interrupteurs sont appuyés. Until when you are baptized, the day you are baptized the Holy Ghost. Et jusqu'à ce que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Boom, light is on. Alors boom, il y a de la lumière. Amen. Ah, the light of the Holy Ghost. La lumière du Saint-Esprit. Illuminate your body. Qui va illuminer votre corps. To calm you down. Et qui va vous calmer. And to give you a joy. Et qui va vous donner de la joie. That man, no man can give you. Une joie qu'aucun homme ne peut vous the donner. Joy that you joy in the trouble. Et une joie qui va vous garder joyeux même dans les troubles. Alléluia. Oui, monsieur. Then your neighbors will say, mais vos voisins alors vont dire, hey, the usher came to evacuate this man. Oh, mais les huissiers sont venus évacuer la maison de cet homme. But they are threatening him. Et ils l'ont menacé. But he's still singing and praising his Lord. Mais il continue à chanter et à louer son Dieu. Amen.
Oui, monsieur. But if you don't have God, mais si vous n'avez pas Dieu, as soon as you see the ushers, aussitôt que vous voyez les huissiers arriver, you panic. Vous commencez à paniquer. You take a gun. You take a gun. Vous prenez un fusil. Boom. Et bam, vous vous suicidez. You see? Because there is no hope in you. Parce qu'il n'y a pas d'espoir en vous. But when you have hope, mais quand vous avez l'espérance, you count all those things as dung. Vous allez considérer toutes ces choses comme des immondices. And to consider the Holy Ghost. Et vous allez considérer le Saint-Esprit as the best thing in your life. Comme la meilleure chose de votre vie. Amen. Oui, monsieur. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory à Dios. Amen. We find three principal powers, as I said. Nous trouvons trois puissances principales, comme j'ai dit. The power of Satan. La puissance du diable. The power of faith. La puissance de la foi. The power of God. Et la puissance de Dieu. Amen. 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 It's in 20, huh? 20, okay. And we found out that the Satan begins to display his power always first. Et nous découvrons que Satan commence toujours à déployer sa puissance le premier. Amen. Always. Toujours. When God wants to do, when God wants to manifest his power, quand Dieu veut manifester sa puissance, the devil starts first. Le diable commence le premier. Amen. Amen. God wanted to bring to build this world. Dieu voulait construire ce monde. He created Adam. Il a créé Adam. And he asked him to explanish and fill the world. Il lui a demandé de se multiplier et de remplir la terre. That's what God said. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. But God didn't say how you are going to do it. Mais Dieu n'avait pas encore dit comment il fallait le faire. Satan came first. Et Satan est venu le premier. To teach them how to do it. Oui, monsieur, pour leur apprendre comment le faire. Amen. Oui, monsieur. And they did it. Oh, et alors ils l'ont fait. It interrupted the program of God. Et ça a bloqué le programme de Dieu. Amen. Amen. So God has to bring another to bypass that plan and bring another plan. Dieu a dû maintenant court-circuiter ce plan-là et apporter un nouveau plan. Amen. And the seed God brought et la semence que Dieu a apporté, the devil killed it. Le diable l'a tué. Amen. Oui. And we saw also in the time of Noah. Et nous avons vu aussi à l'époque de Noé. It was the same thing. C'était la même chose. The devil did something first. Le diable est aussi venu faire quelque chose le premier. As I said to by the, with Moses. Comme je l'ai dit avec Moïse. Amen. So before Moses was born, avant que Moïse puisse naître, God Satan started his power. Satan a commencé sa puissance déjà. Killing every male. Tuer tous les enfants mâles. Amen. And God also came the second time. Et Dieu est venu la deuxième fois. No, secondly. He came secondarily. Et Dieu est venu en second. Moses was born. Et Moïse est né. And they couldn't kill him. Et là, ils n'ont pas pu le tuer. Amen. Amen. Why? Pourquoi? Because the killer. Parce que le tueur. That was killing the people. Qui tuait les enfants. God brought his savior for him to be raised. Et Dieu a apporté son sauveur chez lui pour qu'il l'élève. Amen. Voilà. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. So don't be astonished. Donc ne soyez pas étonné. Sometimes God can use an unbeliever to bless you. Dieu peut utiliser parfois un incrédule pour vous bénir. Amen. Oui, monsieur. He used a crow. Il a utilisé un corbeau to feed his best prophet. Pour nourrir son meilleur prophète. Amen. So the spirit of Elijah. Donc l'esprit d'Élie
was so perfect that God loved it so much. Était si parfait que Dieu l'a tellement aimé. And God decided to use it 5 times. Dieu a décidé de l'utiliser 5 fois. Amen. Amen. But all the other prophets, mais tous les autres prophètes, when they come, they go, it's over. Dieu les utilise une fois, ils viennent et ils s'en vont et c'est fini. But Elijah was so, he was so much in the plan of God. Mais Élie était tellement dans le plan de Dieu. So when he died, he raised Elijah. Quand il mourut, Dieu a suscité Élisée. Amen. Amen. Then the world became in the condition of the time of Achab. Et donc le monde s'est retrouvé dans la situation de l'époque d'Akab. And then he raised John the Baptist. Et alors il a suscité Jean-Baptiste to condemn that generation. Pour condamner cette génération. And now, et maintenant, we are in the same condition like Israel was. Nous trouvons dans la même situation que Israël se trouvait. So God had to raise the same spirit. Et Dieu doit susciter le même esprit. To condemn the age of Laodicea. Pour condamner l'âge de Laodicée. Amen. Amen. We are not in the age of the Laodicea now. Nous ne sommes pas dans l'âge de Laodicée. We are in the bride age. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Amen. The Laodicea age is gone. L'âge de Laodicée est fini. Now we are in the bride age. Maintenant nous sommes dans l'âge de l'épouse. They trying to put the mortar. Nous essayons de mettre le ciment. Amen. For the headstone to come and the feet and the set on the building. Pour que la pierre de fête puisse descendre et reposer sur le bâtiment. La pierre de fête. Amen. That mortar is the mortar of love. Et ce ciment, c'est le ciment de l'amour. Because we are in the age of brotherly love. Parce que nous nous trouvons dans l'âge de l'amour fraternel. Amen. The Holy Spirit will come and seal the building. Le Saint-Esprit va descendre et sceller le bâtiment. The building he started in at Pentecost. Le bâtiment qui a commencé à la Pentecôte. Amen. Faith. Virtue and all this one was coming down. Ce bâtiment avec la foi et puis la vertu et toutes les autres qui se suivent. The pyramid. Et vous voyez la pyramide. The more it go up, the more it become a little small. Et au plus qu'elle monte, au plus qu'elle devient plus étroite. So, amen. Don't be astonished to be here a few people. Ne soyez pas étonné que vous arrivez ici et vous êtes seulement un petit groupe de gens. Amen. Because this is the age of the bride. Parce que c'est l'âge de l'épouse. The church rejected the word. L'église a rejeté la parole. The church rejected Christ. L'église a rejeté Jésus-Christ. They put him out of their group. Ils l'ont mis dehors de leur groupe. Amen. Now he's outside knocking at the heart of every believer. Maintenant il est dehors et il frappe au cœur de chaque croyant. Amen. If you open your heart, si vous ouvrez votre cœur, the Holy Ghost will come in. Le Saint-Esprit va entrer. Amen. You open every door. Et il va ouvrir chaque porte. No, you open every door. C'est vous qui ouvrez chaque porte. Amen. Don't have your secret chamber. N'ayez pas de chambre secrète. No, no. Non, non, non. Give everything to Jesus Christ. Donnez toute chose à Jésus Christ. And he will possess it. Et il va le posséder. You kick everybody that is in every room in your heart. Il va mettre dehors chaque personne qui est dans votre cœur, dans chaque pièce de Amen. Votre cœur. Hatred will be kicked out. La haine va être mise dehors. Amen. And love will take place. Et l'amour va remplacer. Amen. Insulting, killing, adultery, everything will be taken out. Les insultes, le meurtre, l'adultère et toutes choses vont être mises dehors. Amen. And the Holy Spirit will occupy every ground. Et le Saint-Esprit va occuper tout le terrain. Amen. Amen. Then God, the Holy Spirit will possess you. Et le Saint-Esprit va vous remplir. And then you become prisoner of Christ. Et vous allez devenir un prisonnier de Christ. Amen. Amen. Before we're in the prison of Satan. Avant nous étions prisonniers de Satan. Amen. That's why God said. C'est ce que Dieu a dit. He shall know the truth. Vous connaîtrez la vérité. The truth shall set you free. Et la vérité vous rendra libre. Amen. When we knew the truth. Quand nous avons connu la vérité. We knew the truth. Nous avons connu la vérité. It set us free. Et elle nous a rendu libre. Amen. Amen. I don't see myself. Je ne me vois pas moi-même. To go and sit in the Catholic Church.
aller m'asseoir dans l'église catholique. To listen what? Pour écouter quoi? Their creeds. Leur credo. Pentecostal church, their creed. Les pentecôtistes, leur credo. No, no church, with no creed. Aucune église, aucun credo. Because they are against God. Parce qu'ils sont contre Dieu. Brabham said the way God wrote the word. Frère Branham dit la manière dont Dieu a écrit la parole. That's what he meant. C'est ça qu'il voulait dire. Don't let somebody interpret it for you. Ne laissez pas quelqu'un venir vous l'interpréter. He said that even this message. Il a dit même ce message. If you don't understand it, si vous ne le comprenez pas, pray God will reveal it to you. Priez Dieu et Dieu va vous le révéler. Don't let somebody come and explain it to you. Ne laissez pas quelqu'un venir et commencer à vous l'expliquer. Today, too much explanation brought different doctrine in the message. Aujourd'hui, trop d'explications ont conduit à avoir beaucoup de doctrine dans le message. Amen. Every explanation produces a doctrine. Chaque explication produit une doctrine. And the doctrine casts out the spirit. Et la doctrine là chasse l'esprit. Amen. Let the word dominate you. Laissez la parole vous dominer. And then you are a son of God, you are a daughter of God. Et alors vous êtes un fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu. So the devil. Donc le diable. Usually starts a little flare. D'habitude, il commence une petite flamme. And so, watch it. Et alors, surveillez-la. He tried to cut off the move of God. Il essaye de retrancher le mouvement de Dieu. Every time he will do that, chaque fois qu'il essaye de faire ça, he is still, the same devil. C'est toujours le même diable. Use the same techniques. Il utilise toujours les mêmes techniques that he did in the old days. Qu'il avait utilisées dans les anciens jours. He still uses them today. Il les utilise encore aujourd'hui. Amen. We could only read the Old Testament. Si nous pouvions seulement lire l'Ancien Testament, then we'd learn the tactics of the devil. Alors nous allons apprendre les tactiques du diable. How he does. Comment il fait. We found out that his power. Nous découvrons que sa puissance. He had power. Il avait une puissance. And that power was death. Et cette puissance s'appelle la mort. But he had no power beyond that. Mais il n'a pas de puissance au-delà de ça. Just death and his power. Juste la mort termine sa puissance. Then beyond death. Et au-delà de la mort, faith sees the God of resurrection. La foi voit le Dieu de la résurrection. Amen. Amen. After the devil's end, the devil ends. Après que le diable termine, of the power of death, la puissance de la mort, then he is finished. Alors il est terminé. The devil can go no more. Le diable ne peut plus rien faire. But after death, mais après la mort, faith sees the resurrection. La foi voit la résurrection. A God of resurrection. Un Dieu de résurrection. That is the power. Amen. Of faith. Ça, c'est la puissance de la foi. To believe. Pour croire. When you ask, standing over behind the dark cloud, quand vous demandez, en vous tenant derrière un nuage noir, that you can't see with your natural eyes, que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels. But faith standing by you direct you to that God of resurrection. Mais la foi qui se tient avec vous vous dirige vers le Dieu de la résurrection. And a God of wisdom. Et vers un Dieu de toute sagesse. Who has ordained our paths. Qui a ordonné notre sentier. He's standing just behind every trial. Il se tient derrière chaque épreuve. Amen. Amen. If you have trials, si vous avez des épreuves, don't worry. Ne vous inquiétez pas. God is behind you. Dieu est derrière vous. Amen. Amen. To know that Peter said, de savoir que Pierre a déclaré, every trial worth more to us than gold. Chaque épreuve est plus précieuse pour nous que de l'or. Amen. Amen. It is working. Parce qu'elle travaille. Every son that comes to God must first be tried. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé. Scourged. Doit être
châtié, chastised, doit être corrigé. And if you get a little headache, si vous avez un petit brisement de cœur, une petite attaque cardiaque. Okay. After you get born again, après que vous soyez né de nouveau, a little trial that upset you somewhere, une petite épreuve qui vous perturbe quelque part, and you run back into the world again, et vous retournez en courant vers le monde, it shows you wasn't a child to begin with. Ça montre que vous n'étiez pas un enfant de Dieu pour commencer. You become an illegitimate child and not the child of God. Vous devenez un enfant illégitime et non pas un enfant de Dieu. You understand that? Vous comprenez ça? Sometimes people have become to the church. Parfois, les gens viennent à l'église. Nous les baptisons. They are happy. Every day they come. Ils sont contents et ils viennent tous les jours. And when God wants to fulfill that part of the word, mais quand Dieu veut accomplir cette partie-là de la parole, chastise you, de les corriger, he just give you a little, let's say, some headache or any small disease. Il leur donne un petit mal de tête ou une petite maladie. Or maybe a brother speak bad things against you, ou un frère parle de mauvaises choses contre vous. God allow it to try your faith. Dieu peut permettre ça pour éprouver votre foi. But if you are not a son of God, mais si vous n'êtes pas un fils de Dieu, whoop, you fly and go. Whoop, vous en allez. Amen. That means, ça veut dire, you are an illegitimate son. En fait, que vous êtes un enfant illégitime. You are not a son of God. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. If you are a son of God, si vous êtes un enfant de Dieu, Paul said, Paul a dit, what can separate us from the love of God? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Hatred, la haine, death, la mort, or things to come, things to be, les choses à venir ou les choses qui hatred, sont là, insult, les insultes, la haine, death, la mort. What can separate us from the love of God? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Amen. Why? Pourquoi? Because God put an anchor in you. Parce que Dieu a placé une ancre en vous. So when the word comes, quand la parole vient, it hook it. Ça s'accroche. Amen. Then you say God said it, then that's all. Et vous dites, ah, Dieu l'a dit, et c'est tout. Amen. Ah. Friday, I went to work in Branaleu. Ce vendredi, je suis allé travailler à Braine-l'Alleud. And then, when I was coming, I said, oh, let me pass to Cora. Et sur le chemin, je me suis dit, bon, je vais m'arrêter au Cora. And then I parked my car, I went to Cora. Je suis allé là, j'ai parqué ma voiture, je suis allé dans le Cora. I bought water. Et j'ai acheté de l'eau. I don't know what happened. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. When I came, I opened my boot. Et quand je suis arrivé, j'ai ouvert mon coffre all arrière. My tools are taken away. Tous mes outils avaient été volés. All my tools from the electricity. Tous mes outils d'électricien. Amen. And I was happy. Et je suis resté heureux. Then I said, God, j'ai dit, Dieu, you know, I need those tools. Tu sais que j'ai besoin de ces outils. And you led me here, et tu m'as conduit ici. And they have taken it. Et they have taken them. Et ils les ont volés. Satan want to take my joy away. Et Satan veut m'enlever ma joie. No, I am still happy. Je reste heureux. Then, amen. A scripture came into my mind. Et une écriture est venue dans ma pensée. He said we are moving from glory to glory. Nous avançons de gloire en gloire. Amen. Amen. You gave me those tools. Vous m'avez donné ces outils. I believe you give me more tools than those tools. Je crois que tu pourras me donner plus d'outils encore que ces outils-là. Amen. I'm not worried up to now. Je ne suis pas inquiet jusqu'à maintenant. Because those things they are condemned as gone. Toutes ces choses, je les considère comme une perte. So I just pray for the one who steal them. Je prie juste pour la personne qui les a volés. For God to take away that spirit of stealing.
pour que Dieu lui enlève cet esprit de voleur. If God took it, take it away, si Dieu enlève cet esprit, he become my friend, my brother. Il va devenir mon frère. Amen. Amen. So it's not him. Donc c'est pas lui. It is the devil in him doing it. C'est le diable en lui qui l'a fait. So I cannot condemn him. Donc je peux pas le condamner lui. The condemnation is to Satan. La condamnation c'est à Satan. Amen. Amen. If a man wants to anchor his heart against the heart, the heart of Calvary. Si un homme ancre son cœur contre le cœur du calvaire. Oh, devil in hell never shake him no more. Tous les démons de l'enfer ne pourront plus jamais le secouer. Amen. Amen. If you anchor your heart, si vous ancrez votre cœur, amen, in the heart of Calvary, dans le cœur du calvaire, all hell can lose. Tout l'enfer peut se déchaîner. But it will not shake you. Mais ça ne va pas vous troubler. That is the word. Ça, c'est la parole. I will build my church. Je bâtirai mon église. And the gate of hell cannot prevail against it. Et les portails de l'enfer ne prévaudront point contre elle. You are the church. Vous êtes l'église. Amen. Only one person is the church of God. Une seule personne, c'est l'église de so Dieu. So when God make you, quand Dieu vous a fait, his church, son église, then he just go and sit down. Alors il va juste s'asseoir. Then he will say, Satan, boy. You can go. Il va dire à Satan, garçon, tu peux y aller. And God is there watching you. Et Dieu est là en train de vous surveiller. You and Satan. Vous et Satan. Amen. God give you his weapon. Dieu vous a donné son arme. Let's say you are fighting against a big nation. Prenons par exemple que vous combattez contre une grande nation. Oh. Less a person, somebody who has a gun. Ou contre une personne, quelqu'un qui est armé d'un fusil. And God give you a knife. Et Dieu vous donne un couteau. The knife, you have to approach the person to stab him. Avec un couteau, vous devez approcher la personne pour le poignarder. But the gun, mais le fusil, he can shoot you maybe 100 meters. Vous pouvez tirer à 100 mètres. If it's 100 meters, even if you throw the knife, maybe it will not reach the person. Alors que si vous lancez le couteau, peut-être que ça va pas atteindre la personne. And God give you a knife. Et Dieu vous donne un couteau. It's stupid. Ça a l'air stupide. To me, to you. À moi et à vous. But to God. Mais à Dieu. It's not stupid. C'est pas stupide. Amen. Amen. But you. Mais pour vous. You will say, okay, let me get the bigger gun. J'irai plutôt chercher un plus grand fusil. Or maybe some bulletproof. Ou bien j'irai chercher un gilet pare-balles. So that if anything, when he's shooting, the bullet will not reach me. Pour que si jamais il me tire, ben la balle ne va pas me toucher. When you do that, mais quand vous faites ça, you come out of the program of God. Vous sortez du programme de Dieu. God is not responsible. Dieu n'est pas responsable. They will kill you for nothing. On va vous tuer pour rien. But if you take the knife God gave you, mais si vous prenez le couteau que Dieu vous a donné, he will shoot, nothing will come to you. Ils vont tirer et rien ne va vous atteindre. And when his bullets are finished, et quand il n'aura plus de balles, then you just go and stop him and kill him. Et vous irez juste le poignarder et le tuer. In the name of the Lord. Dans le nom du Seigneur. Amen. So God gave us the best weapon. Donc Dieu nous a donné la meilleure arme. His own self. Sa propre personne. God is the word. Dieu est la parole. And he gave the word as our weapon. Il nous a donné la parole comme notre arme. But we see it sometimes ridiculous. Mais à nos yeux, parfois, on dirait que c'est ridicule. Then we want to improve. Et nous voulons améliorer ça. The word of God. Améliorer la parole so de Dieu. So that we can match with the technique of the enemy. Pour que nous puissions vraiment correspondre à la technique de l'ennemi. It has nothing to do. Ça n'a rien à voir. Samson took a jaw. Samson a pris une mâchoire d'âne. He killed almost 1,000 people. Et a tué presque un millier de personnes. With their
their arrows, des gens qui avaient des flèches, and they have some spears, et qui avaient des lances, big great army, et des grandes armées, just a jaw, lui juste une mâchoire d'âne, boom, frappé à gauche, amen, à droite, et c'est tout. Amen. He was in the program of God. Il se trouvait dans le programme de Dieu. And God backed him. Et Dieu l'a soutenu. If you see them, et si vous les voyez, if like if you see them, par exemple si vous les voyez, and then he said, the jaw, I think I need a big long sword. Cette mâchoire d'âne, mais je pense que j'aurais plutôt besoin d'une grande épée. You come out of the program of God. Vous sortez du programme de Dieu. God said, Joe, Dieu a dit une mâchoire d'âne. Use that one. Utilise ça. Everything you have in your possession, tout ce que vous avez dans votre possession, use it. Utilisez-le. God will bless it for you. Dieu va le bénir pour vous. Amen. Amen. Oui, monsieur. Then a man that is born again of the Spirit of God, un homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, knows exactly where he is at. Sait exactement où il se trouve. Nothing phasing him. Il n'y a rien qui peut le déphaser. Because because something inside of him has already witnessed somebody outside of the cloud yonder. Parce que quelque chose à l'intérieur de lui a déjà reconnu quelqu'un au-delà de la nuit et plus loin. And by faith we see him. Et par la foi, nous le voyons, lui. By faith we see Jesus Christ. Par la foi, nous voyons Jésus-Christ. Amen. Amen. So when we see him, et donc, quand nous le voyons, we rejoice. Nous nous réjouissons. Because we know that he can never lie. Parce que nous savons qu'il ne peut jamais mentir. He can do everything. Il peut faire toutes choses. But to lie, no. Mais il ne peut pas mentir. He promised that he will save us. Il a promis qu'il allait nous sauver. The only thing to say is amen. La seule chose à dire, c'est amen. I'm the God that forgives your sin and heals your diseases. Amen. Je suis le Dieu qui guérit, qui pardonne vos péchés et qui guérit vos maladies. Amen. He that hears my word and believes on him that sent me has eternal life. Amen. Celui qui croit ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Amen. There is nothing to explain. Il n'y a rien à expliquer. Many people, the pastors, teachers, they say no, you have to do this, you have to do that. There's nothing to do. Beaucoup de gens, des pasteurs, des enseignants disent « Oh, vous devez faire ceci, encore cela. » Non, il n'y a rien à faire. It is the same devil. C'est le même diable. That came to amend the word that God gave them in the Garden of Eden. C'est le même diable qui est venu faire des amendements à la parole que Dieu leur avait donnée dans le jardin d'Éden. He came to adjust it to make it reasonable. Il est venu, il a dit, bon, on va l'ajuster pour la rendre plus raisonnable. No, God make it rough. Non, Dieu l'avait fait très rugueux. Leave it rough. Laissez ça rugueux. Don't try to polish it, try to add something to fill some gap. N'essayez pas de la polir et d'arranger des choses et de remplir certains les bouchons. God said it rough, leave it rough. And let it rough. Dieu l'a donné rugueux, laissez ça rugueux que ça demeure rugueux. Amen. Amen. The power of decision. La puissance de la décision. Amen. God led the children of God, the children of Israel in this trap. Dieu conduisit les enfants d'Israël dans ce piège. No way at all. Aucun chemin d'échappatoire. Aucun chemin pour échapper. It was dark. C'était très sombre. They laid the Red Sea in front of them. Là se tenait la mer Rouge en face d'eux. Here was the mountains. Là se trouvaient ici les montagnes one side, de chaque côté. And the Pharaoh army coming. Et l'armée de Pharaon qui venait. Thousands and thousands. Des milliers multipliés par des milliers. Amen. There's thousands of armed men.
des milliers d'hommes armés coming, chasing them up, qui venaient et qui les pourchassaient. Look like God led them into the trap. Ça semblait que Dieu les avait conduits dans un piège. Amen. But we find out that God sometimes leads us right into a great thing. Mais nous découvrons que Dieu parfois nous conduit tout droit dans une grande chose. And to show us his power. Pour nous montrer sa puissance. And his glory to deliver us. Et sa gloire pour nous délivrer. And when Moses called to God, Moïse a fait appel à Dieu. God says, stand still. Dieu a dit, tiens-toi tranquille. Every believer, chaque croyant, no matter what your situation is, peu importe quelle est votre situation, if you have the Holy Spirit, si vous avez le Saint-Esprit, God leads you to some troubles, Dieu vous conduit vers des troubles to show his power, pour montrer sa puissance. But stand still. Mais tenez-vous tranquille and see the salvation of the Lord. Et regardez le salut de Dieu. Amen. Amen. Isn't that encouraging? Est-ce que ce n'est pas un encouragement? Stand still. Tiens-toi tranquille. Amen. The Shekinah glory. La gloire de la Shekinah. Then we found out that he told him. Et nous découvrons que il lui a dit. Take the staff in your hand. Prends le bâton qui est dans ta main. And raise your hands. Et lève ta main. And go forward. Et va de l'avant. And as the pillar of fire that was leading them. Et comme la colonne de feu qui les conduisait. The great Shekinah glory. La grande gloire de la Shekinah. Was before them. Et se trouvait devant eux. In the form of an halo. Sous forme d'un halo. Or a pillar of fire. Ou d'une colonne de feu. Going before them. Qui marchait devant eux. Turned and went back behind them. Qui tournait et allait à l'arrière derrière eux. And to the Egyptians. Et aux Égyptiens qui coming, venaient. They become darkness. Elle est devenue obscurité. But it gave Israel light. Mais elle donnait la lumière à Israël. Amen. Amen. You see, God was leading them. Vous voyez, Dieu les dirige, les conduisait. And when they cross. Et quand ils ont traversé. The pillar of fire went behind them. La colonne de feu est retournée derrière and then eux. Make face to Pharaoh's army. Et a fait face à l'armée de Pharaon. They want to impersonate Christianity. Ils voulaient imiter la chrétienté. Amen. And God let the water loose on them. Et Dieu a laissé les eaux se refermer sur eux. And even the horses. Et même les chevaux. They were not happy. Ils étaient vraiment pas contents. Amen. Because they knew that those people were crazy. Ils savaient que ces gens sont fous. Amen. Just like the ass the that spoke to Balaam. Comme cette ânesse qui avait parlé à Balaam. Amen. Sometimes God uses animals to speak to his foolish people. Parfois Dieu utilise des animaux pour parler à ces gens qui sont fous. Amen. And the very plan of salvation of God. Et le même plan du salut de Dieu. When man shut up his heart against God's plan. Quand un homme ferme son cœur contre le plan de Dieu. He becomes in darkness. Il entre dans les ténèbres. Did you know that? Saviez-vous cela? God has a way. Dieu a un chemin. It is finding out. C'est insondable. Amen. It is past finding out. C'est au-delà de ce que vous pouvez sonder. But when a man rejects light, mais quand un homme rejette la lumière, there is nothing else but darkness. C'est, il ne reste rien que l'obscurité. Amen. If we spurn salvation, si nous rejetons le salut, then death is laying on the door. Alors la mort se tient à la porte. The same way it is now sinner's friend. De la même façon, mon ami pécheur. Brabant said this morning. I can say this morning. Frère Branham dit cette nuit, mais moi je peux dire ce matin. When you spurn love, si vous rejetez l'amour, you must stand judgment. Alors vous devez affronter le no jugement. Way out. Aucun autre moyen. God gives love first. Dieu donne d'abord son amour. Offer it to you.
il vous offre ça. But if you spurn it, mais si vous rejetez there ça, is nothing left but judgment. Alors il ne reste rien d'autre que le jugement. So accept it this morning. Donc acceptez-le ce matin. The love of God. L'amour de Dieu. Those who are listening from the YouTube. Ceux qui écoutent sur YouTube. If you spend the love of God, si vous rejetez l'amour de Dieu, it remains judgment. Il ne reste plus que le jugement. Amen. Don't take your church as an absolute. Ne prenez pas votre église comme un absolu. Take the word of God. Prenez la parole de Dieu. The church will pass away. L'église passera. But the word will never pass away. Mais la parole ne passera jamais. Stay with the word. Restez avec la parole. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. And they started out to even slay the ones that God was awakened with. Okay. Donc ils ont commencé à tuer ceux avec qui Dieu travaillait. A beautiful type of what is going to happen here in America one of these days. Un très beau symbole de ce qui va arriver bientôt en Amérique un de ces jours. The very program. Le même programme. That years they try to tag them with all kinds of things. Le même programme avec lequel ils ont essayé de mettre des étiquettes de toutes choses. And call them crazy holy rollers. Et de les appeler des fous, des saints comédiens et toutes sortes de noms. All kinds of names. Toutes sortes de noms. They shut up the light, their light to them. Ils ont fermé leur lumière. But thanks God. Mais Dieu. Thanks be to God. Dieu. Amen. The great pillar of fire is leading his church right now. La grande colonne de feu conduit son église maintenant. Let them alone, said Jesus. Laissez-les seuls, dit Jésus. If they be blind, leading the blind, si un aveugle conduit des aveugles, won't they fall in the ditch? Ne vont-ils pas tomber dans le fossé? Amen. The same light that led, that made a path for Israel to walk in. La même lumière qui a fait un sentier pour que Israël puisse marcher. Blinded the eyes of Pharaoh. La même lumière a aveuglé les yeux de Pharaon. The very waters that the very waters of judgment that drown the whole world. Les mêmes eaux du jugement qui ont noyé le monde entier. Save Noah. Ont sauvé Noé, the preacher of righteousness, le prédicateur de la justice, the very Holy Ghost, le même Saint-Esprit that you laugh at, dont vous vous moquez and make fun of, et donc vous vous moquez, and the power of divine healing, et la puissance de la guérison divine take the church to the rupture someday. Va transporter l'église dans l'enlèvement un de ces jours. And lead you here to And lead you here to go through judgment. Et va vous laisser ici pour traverser le jugement. What a day it will be when you spurn mercy. Oh, quel jour ça sera quand vous aurez rejeté la miséricorde. Amen. As the ten virgins. Comme les 10 vierges. The Bible says, give us more oil. Les 5 d'entre elles ont dit, donnez-nous de votre huile. They say no, it's just enough for us. Les autres ont dit non, il y en a juste assez pour nous. Go and buy. Allez et achetez. And the time they went to buy. Et pendant qu'elles sont allées en acheter. They came back, the bridegroom and the 5 went up. Et quand elles sont revenues, l'époux et les 5 vierges sages sont partis. Amen. 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 And while they were gone, et quand ils étaient partis, trying to pray through, ils ont essayé de prier. The bridegroom came, l'époux est venu, and there was weeping, il y avait des pleurs, wailing, et des lamentations, and the gnashing of teeth, et des grincements de dents. Don't be in that crowd. Ne vous retrouvez pas dans ce groupe-là. Come out of that crowd. Sortez de ce groupe-là. Amen. Go alone.
continuer. Walk in the light. Marcher dans la lumière. As he is in the light. Comme lui est dans la lumière. And you have fellowship one with another. Et alors vous aurez communion l'un avec l'autre. While the blood of Jesus Christ cleans Jesus Christ. Pendant que le sang de Jésus-Christ, God's Son, le Fils de Dieu, cleanses from all our sins. Nous nettoie de tous nos péchés. Amen. Amen. You give us fellowship one to another. Et nous donne de communier les uns avec les autres, l'un avec l'autre. We are going to pray this morning. Nous allons prier ce matin. The power of a decision. La puissance de la décision. You have the power to decide. Vous avez la puissance de décider. Amen. If you are a Christian, si vous êtes un chrétien, then you have Christ in you. Alors vous avez Christ en vous. So there's no difference. This he's not from our church. He's from this. He's from that. No. Alors, il n'y a pas de différence. Oh, celui-ci n'est pas de notre église. Celui-ci est comme ceci. Because celui-là est comme ça. Non. Tears all the middle wall down. Parce que ça, Christ déchire tout mur de séparation. Amen. Makes all. Et fait de nous tous les mêmes. The same in Christ. Les mêmes en Christ Jésus. Amen. Amen. So there's no eyes from this church, it's from that church. We are no. We are all believers. On ne peut pas dire, ah non, il est de cette église, elle est de cette église. Non, nous sommes tous des croyants. The separation will not come from us. La séparation ne viendra pas de nous. God said the angel will make the separation. La Bible dit que c'est Dieu. Dieu a dit que ce sont les anges qui vont faire la séparation. Amen. Amen. We stand on the bridge. Nous nous tenons sur la brèche. Calling from here to here. Nous appelons de ce côté-ci et de ce côté-là. If you are a Catholic, come. Si tu es catholique, viens. Methodist, come. Protestant, méthodiste, viens. Protestant and all the churches, come. Toutes les églises, venez. Amen. Amen. Because God asked, Jesus wants us to come. Parce que Jésus nous a demandé un jour de venir. And we are his hands. Et nous sommes ses mains. We are his mouth. Nous sommes sa bouche. We are his feet. Nous sommes ses pieds. So he's using us to call others. Parce qu'il nous utilise pour appeler les autres. Amen. Amen. So we must be attentive to what he's saying. Et donc nous devons être attentifs à ce qu'il dit. Amen. Amen. Then we fellowship. Then we got fellowship one with another. Et donc nous avons communion l'un avec l'autre. While the blood of Jesus Christ, the Son of God, pendant que le sang de Jésus Christ, le Fils de Dieu, keeps us cleansing from all our unrighteousness. Nous garde et continue à nous laver de toute injustice pendant que nous marchons. While as we walk. Living in the presence of the King. Pendant que nous marchons et que nous vivons dans la présence du roi. Under the Shekinah glory. Sous la gloire de la Shekinah. Of the Lord Jesus where Aaron's rod budded. De notre Seigneur Jésus, là où le bâton d'Aaron a bourgeonné. Amen. Amen. I like that. J'aime ça. Amen. The presence of God. La présence de Dieu. Amen. Amen. When you are in the presence of God. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, you are in eternal eternity. Vous êtes dans l'éternité. Amen. Amen. The manna, the rod, the manna every day they eat. The manna that they eat every day. La manne qu'ils ont mangé chaque jour was rotten every day. Elle pourrissait chaque jour. But the one they took in the Shekinah glory. Mais la manne qu'ils ont amenée dans la gloire de la Shekinah. Never rot. N'a jamais pourri. As I said, I think a few time ago. Comme j'ai dit il y a quelque temps. God had the first deep freezer. Dieu avait le premier réfrigérateur. Amen.
His Shekinah glory is a deep freezer. Sa gloire de la Shekinah, c'est un réfrigérateur. Anything you put there will never rot. N'importe quelle chose qu'on place là ne pourrira jamais. Amen. Even if you yourself go inside. Même si vous-même entrez à l'intérieur, you never rot. Vous n'allez jamais pourrir. Amen. Because that is the first deep freezer. Parce que ça c'est le premier réfrigérateur. Before man created his deep freezer. Avant que l'homme puisse créer son réfrigérateur. God is ahead of everything. Dieu est en avance sur toute chose. Amen. They went to the moon. Ils sont allés à la lune. They are happy. Et ils sont contents. But we have somebody there since 2000 years, more than 2000 years. Et bien nous avions eu un astronaute là-bas depuis 2000 ans. God beat them. Dieu les a battus. Amen. Amen. Everything they do. Toutes choses qu'ils font. God is ahead. Dieu est en avance. Alléluia. Amen. And this, the devil come to impersonate. Et le diable vient pour imiter. Amen. The Son of God is up there. Ah, le Fils de Dieu. Montez là-haut. Then I'll send my rocket there. Et moi aussi, j'enverrai mes fusées I'll là-bas. Send my sons there. Et je vais envoyer mes fils là-bas aussi. But what he forget to know, mais ce qu'il a oublié de savoir, the Bible says, la Bible dit, the Son of God is looking down upon the heaven. Le Fils de Dieu regarde en bas vers le ciel. Then they are in the moon. Eux, ils sont à la lune. They're still looking up. Ils sont toujours encore en train de regarder they plus haut. Go there. Et ils ne peuvent pas aller plus haut because que ça. The heat of the sun, because the heat of the sun, parce que la chaleur du soleil will disintegrate them. Va désintégrer leur fusée. Amen. Amen. But we have somebody over there already. Mais nous avons quelqu'un qui est plus haut là-bas déjà. Amen. Amen. That is the way a sinner is when he goes under the Shekinah glory. Ça, c'est la façon que la manière qu'un pécheur se trouve quand il va sous la gloire de la Shekinah, of the Spirit, of the Holy Spirit, du Saint-Esprit. The veil drop behind him. Le voile tombe derrière lui. Everything that he ought to have been, toute chose qu'il aurait dû être, a son of God blooms out in him again. Un fils de Dieu va donc bourgeonner de lui à nouveau. Amen. So now, donc maintenant, the rod of Aaron got life. Le bâton d'Aaron a reçu la vie. And brought fruit. Et a porté du fruit. That dead rod. Ce bâton qui était mort. Now we sinners. Nous les pécheurs. Die in sin. Mort dans le péché. Without God, without hope. Sans Dieu et sans espoir. Once in the Shekinah glory. Une fois que nous entrons dans la gloire de la Shekinah. So God's life will come and quicken us. La vie de Dieu va venir et nous vivifier. The glory of the Lord. La gloire du Seigneur. Amen. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. When you go the curtain go behind you. Et quand vous allez là, donc le rideau tombe derrière vous. Then you are face to face with God. Et vous êtes face à face avec Dieu. There we have the table. Et là nous avons les we tables. Have the ark. Et nous avons l'arche. And that ark is the manna. Et sur l'arche se trouve la manne. And then the mercy seat. Et il y a le siège de miséricorde. Amen. The only thing to do, la seule chose à faire, you just open the pot, vous ouvrez juste le pot, eat the manna, et vous mangez la manne, the word of God, la parole de Dieu. Amen. Amen. Then the congregation is behind you. Et alors l'assemblée est derrière vous. Because the curtain are dropped. Parce que les rideaux sont tombés derrière vous. So all the noise behind there, you don't hear it anymore. Et donc tout le bruit qui est derrière vous, vous ne l'entendez plus. You are in that Shekinah glory. Vous êtes à l'intérieur de la you gloire de realize la Shekinah. That your sins are forgiven. Et vous entendez que vos péchés sont pardonnés. You realize. Vous réalisez que vos péchés sont pardonnés. I am not a sinner. Je ne suis plus un pécheur. Now I am a saint. Maintenant je suis un saint. Then it brings joy in your heart. Et donc ça apporte la joie dans vos cœurs. No matter what the people behind say. Peu importe ce que les gens derrière vous vont dire, nothing to do with you. Ça n'a plus rien à voir avec vous. Because you are in another dimension. Parce que vous êtes maintenant dans une autre dimension. Amen. Behind the veil. Derrière le voile. Eating the hidden manna. En train de manger la manne cachée. And there, et là, you are the only one eating that manna. Vous êtes le seul à manger cette manne cachée. What is happening there, ce qui se passe là, the church don't know anything about it. L'église ne sait rien de ce qui se passe là. Amen. They can criticize you, mock you, do everything you don't mind. Ils peuvent vous critiquer, ils peuvent se moquer de vous et faire beaucoup de choses contre vous.
Peu vous importe. Because you are in another dimension. Parce que vous vous tenez dans une autre dimension. Amen. And the Holy Spirit close your ears. Et le Saint-Esprit va fermer vos oreilles. You don't hear anything they say. Vous n'entendez pas ce qu'ils disent. If they say you are crazy, they say I'm happy to be crazy for God. Ici, ils vous traitent de fou. Vous direz, ben, je suis content d'être fou pour Dieu. You are Branhamist, yes, I like to be Branhamist. Oh, vous êtes un Branhamiste. Oh oui, j'aime bien d'être un Branhamiste. Anything, they, any name they give you. Peu importe le nom qu'ils vont vous donner. Accept it and move on. Acceptez ça et avancez. Amen. They say Jesus Christ is a Beelzebub. Ils vont dire, oh, mais Jésus-Christ c'est Beelzebub. He didn't try to justify himself. Mais il n'a pas essayé de se justifier. He just kept on and move on. Il a juste continué à faire ses pas and et à avancer. His sons and daughters are doing the same. Ses fils et ses filles font la même chose aujourd'hui. To give the fruit. The fruit of the Spirit. Jusque... au fruit de l'esprit. So let me read this code and we are going to pray. Laissez-moi lire cette citation et nous allons prier. Il dit overnight bodies. Pendant la nuit, il a bourgeonné. Blossom and grow almonds on it. Elle a fleuri et elle a poussé des fruits, des amandes sur ce bâton. Fruits of the Spirit. Les fruits de l'esprit. Love, joy, long suffering. L'amour, la joie, la longanimité. Goodness. La bonté. Gentleness, patience. La gentillesse, la patience. That is what we need to get in the third step. Ça, c'est ce dont nous avons besoin pour entrer dans la troisième étape. Get over in the Shekinah glory where that little secret light was shining over the mercy seat. Pour entrer dans la gloire de la Shekinah, là où cette petite lumière sacrée se tenait au-dessus du siège de miséricorde. That is the place to stay. Ça, c'est l'endroit où il faut demeurer. Don't stay in an Amen Tabernacle. Ne restez pas à Amen Tabernacle. Stay in Christ, in the holy place. Restez en Christ, l'endroit saint. Where the manna, là où la manne, the pot of manna set down. Là où le pot de manne était placé by the ark. Dans l'arche. That is the place to live. Ça, c'est l'endroit où il faut vivre. The curtain draw behind you. Et les rideaux tombent derrière vous. Out in the outer court. À l'extérieur, dans le parvis, where the justified stay, là où les justifiés demeurent, there was daylight. Oui, il y a la lumière du jour. Amen. But you are in the presence of God. Mais vous tenez dans la présence de Dieu. Amen. Amen. There is light in the Methodists, the Pentecostals, everything. Il y a de la lumière dans les Méthodistes, les Pentecostistes et tout ça. Because the temple was three steps. Parce que il y avait trois sections du temple. Amen. There's a place where the people go. Il y avait the first porch. Il y avait le parvis là où les gens allaient. And then the sanctified place. Et puis la deuxième section. Where the holy are. L'endroit sanctifié, and le lieu saint. Where the là holies of holies is. Là où les saints les sanctifiés allaient. Et puis il y avait le saint des saints. That is where the true worshipper go. Ça, c'est là où le véritable adorateur entre. Amen. When you go there, the curtain drop behind you. Et quand vous entrez là dans le Saint des Saints, le rideau tombe derrière vous. Amen. And outside, et à l'extérieur, people are there busy. Les gens sont occupés là. Washing plate. Et ils lavent les vaisselles. The table. Ils dressent la table. Discussing who is holy, who is not holy. Et ils discutent qui est saint, qui n'est pas saint. Who is that? What is that? This? Qui est comme ceci, qui There's est comme too ça. Too much talking over there. Et il y a beaucoup de bruit là. But inside there. Mais à l'intérieur. You don't hear any noise. Du Saint des Saints, vous n'entendez plus aucun bruit. You are only in the you are in the presence of the ark. Vous êtes dans la présence de l'arche. Amen. Where the table are. Là où se trouvent les tables. The word of God. The word of God. La parole de Dieu. And then the manna. Et alors la manne. You are eating the manna. Et vous mangez la manne. It refreshing your heart. Et qui rafraîchit votre âme. It refreshing your thoughts. Et qui rafraîchit vos pensées. It refreshing everything in you. Et qui rafraîchit toutes choses en vous. And then when you come out. Et quand vous sortez, you are full of manna. Vous êtes rempli de manne. Joy, peace, long suffering. La joie, la paix, la longanimité. Amen. Amen. We are going to pray. Nous allons prier. Alléluia. We thank the Lord.
Nous remercions le Seigneur. Alléluia. The power of decision. La puissance de la décision. I want you to decide this morning. Je voudrais que vous puissiez décider ce matin. Leave that crowd. Quittez cette foule. Leave Amen Tabernacle. Quittez Amen Tabernacle. Go into Christ. Et entrez en Christ. Amen. Amen. That means I will not come here anymore. Ça veut dire que je ne viendrai plus ici. Then you are a Cana. Then you are a Cana man. Si vous décidez ça comme ça, alors vous êtes un homme charnel. Amen. God wants us to get together. Dieu veut que nous puissions nous rassembler. But that is not the church. Mais ça ne fait pas l'Église. The church, we are all baptized by the Holy Spirit in one body. Nous sommes tous baptisés par le Saint-Esprit dans un seul corps. Not the water baptism, no. C'est pas le baptême d'eau, non. We are all baptized by one Spirit in Christ. Nous sommes tous baptisés par un seul esprit en Christ. And if you have the Holy Spirit, et si vous avez le Saint-Esprit, the Bible says you would like to fellowship with one another. La Bible dit que vous aimerez communier les uns avec les and autres. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Et le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. I want to tell you, I want to tell this a secret to those who are here and those who are listening from us. Je veux dire un secret à ceux qui sont ici et ceux qui écoutent. How it is important to come to church. Comment c'est important de venir à l'église. There is a protection. Il y a une protection. I'm speaking of experience. Je parle d'expérience. I said it many times. Je l'ai dit plusieurs fois. But sometimes somebody will come on the YouTube. Mais parfois quelqu'un viendra. Un nouveau sur YouTube. Or maybe those who are here, maybe it will also refresh your mind. Et même ceux qui sont ici, peut-être que ça va rafraîchir aussi votre pensée. And in Lomé, we had a brother. À Lomé, Togo, nous avions un frère. Who was he used to come, but he was going out with a girl. Il avait l'habitude de fréquenter l'église, mais il sortait avec une fille. Always he come to the church. Et chaque fois, il venait à l'église. But he's living another life. Mais il vivait une autre vie. And the brothers, they told him that it's not good. Alors les frères lui ont dit, non, c'est pas bon. I think he was bewitched. Et je crois qu'il avait été ensorcelé. Oh, I don't know. Je sais pas. But when he knew that he was doing wrong. Il savait qu'il agissait mal. And then the brothers who used to come to church because they were living together. Et les frères qui avaient l'habitude de venir à l'église et ils vivaient ensemble. And they see the girl all the time come to his house. Et voyaient la fille qui venait tout le temps à sa maison. And then they advised him. Et ils le conseillaient. And then he was continuing. Et il continuait malgré tout. And then they came and tell the pastor. Et ils sont venus, ils ont dit ça au pasteur. The pastor told him. Et le pasteur lui a dit. And then he continued. Il a malgré tout continué. And that time I was the deacon in Lomé, in the church in Lomé. Et à cette époque-là, j'étais le diacre à l'église de Lomé. So the pastor called me as a witness. Et le pasteur m'a appelé en tant que témoin. Together we warned him. Et ensemble, nous l'avons averti. And then I think he continued. Et malgré tout, il a continué. And then the pastor brought it to the church. Et alors, le pasteur a informé l'église. And then the church gave him 30 days to repent. Et l'église lui a donné 30 jours pour se repentir. I think between the 30 days he didn't repent. Et dans les 30 jours, il s'est pas repenti. And then the church delivered him to Satan. Et l'église l'a livré à Satan. But he's still coming to church. Mais malgré tout, il continue à venir à l'église. And then because the thing was so hard on them, on him. Et comme les choses sont devenues si dures sur lui, so he decided to leave the girl. Il a décidé de quitter la fille. And then the girl went to see the voodoo witchcraft. La fille est allée voir un sorcier vaudou. So that it would take him out from the church. Pour que le sorcier puisse le faire sortir hors de l'église. And then the spirit of voodoo went. Et l'esprit du vaudou est allé.
And then they say there's a fire burning around him. Et ils sont revenus pour dire, oh non, il y a un feu qui brûle autour de ce garçon. They say, we can't do anything. Nous ne pouvons rien faire contre lui. Then the woman said, if that is the case, et la fille a dit, bon ben, si c'est le cas, I will follow his God. Alors je vais suivre son Dieu. Me, I thought the voodoo was the big God. Je pensais, moi, que le vaudou, c'était le plus grand Dieu. But if his God is powerful than my God, mais si son Dieu est plus fort que mon Dieu, better I follow his God. Alors c'est préférable que je suive son Dieu à lui. Amen. Ah, and then the girl started coming to church. Et la fille a commencé à venir à l'église. One day she waited, she gave a testimony. Et un jour, elle a donné ce témoignage. And now she was coming when I left to come here. I don't know if she continues or not. Maintenant, elle a commencé à fréquenter. Comme moi, j'ai quitté Lomé. Je ne sais pas si elle a continué jusqu'à aujourd'hui. You see, vous voyez, we deliver him to Satan. Nous l'avons livré à Satan. But as long as he comes to the church, mais aussi longtemps qu'il continue à venir à l'église, the protection of the church. Il est sous la protection de l'église. Amen. Amen. We may see him as a sinner. Nous pouvions le regarder comme un pécheur. But to God, he's a son. Mais pour Dieu, il a été un fils. Amen. Amen. Till his spirit was protecting him. Et l'esprit de Dieu le protégeait. Nothing can touch him. Rien ne pouvait le toucher. Amen. Amen. But if he said, okay, I'll leave your church, he goes. Mais s'il avait dit, ok, je quitte votre église et je m'en vais, ben alors il aurait été fini. But the girl. Mais la fille. She was beautiful. C'était une très belle fille. When I saw her, I said, "Wow, brother, you are right." Quand je l'ai vue, j'ai dit, "Oh, frère, tu as du goût." A very beautiful girl. C'était une très belle fille. But the Lord, I believe now she's a believer. Mais je crois maintenant que c'est devenu une croyante. Amen. It's very important to come to church. C'est très important de venir à l'église. There's a protection here. Et il y a une protection ici. Amen. You don't Amen. Know it, but it's there. Vous en rendez pas compte, mais elle est là. My brothers and sisters who are listening. Mes frères et sœurs qui écoutent. So come if you don't have a church to go. Si vous n'avez pas d'église où aller. The church is ready. Come to church. L'église est prête. Venez à l'église. If you have a church to go, you go there. Si vous avez une église où aller, allez-y. Amen. The tabernacle cannot save you. Amen, tabernacle ne peut pas vous sauver. It is the Lord Jesus Christ that saves you. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a sauvé. And when you are saved, mais quand vous êtes sauvé, you can go to any church, vous pouvez aller à n'importe quelle église fellowship with them. Et vous allez communier avec eux. Amen. Amen. But be careful. Mais soyez prudent. Amen. The food you are eating, de la nourriture que vous allez manger. You can be born. Vous pouvez être né. But if you don't eat good food, mais si vous ne mangez pas de la bonne nourriture, you'll get spiritual kashkor. Vous allez avoir la malnutrition spirituelle. Amen. And Amen. It will, can lead you to death. Et ça peut vous conduire à la mort. Amen. Amen. But when you eat the right food, mais si vous mangez la nourriture correcte, it will give you strength. Ça va vous donner la force. Faith has muscle. La foi a des muscles. It will give you muscle to attack the enemy. Ça va vous donner des muscles pour attaquer l'ennemi. It is written. Il est écrit. It is written. Il est écrit. That is our weapon. Ça, c'est notre arme. Amen. Amen. We are going to pray. Nous allons prier. I don't know. Me, I'm not good in singing. S'il te plaît, donner un petit cantique. Voilà. Un petit coup. Je ne suis pas très bon dans les chants, mais frère Robert, si tu peux. Non, it's something. It's quelque chose que tu peux. Juste un petit cœur. Ouais, un petit cœur comme ça. Amen. Then we go with it. Et alors, nous allons. Pray. Prions tous ensemble. Decide now to follow the Lord Jesus Christ. Décidez maintenant de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Because the power of the devil, the power of Satan is death.
Car la puissance de Satan, c'est la mort. But the power of Jesus Christ is resurrection life. Mais la puissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est la résurrection et la vie. He's here this morning. Il est ici ce matin. He's opened his ears to hear your request. Il a les oreilles ouvertes pour écouter. He said, ask. Et il a dit, demandez. You receive. Et vous recevrez. Knock, it will be open. Frappez, on vous ouvrira. So we are here this morning to ask and to knock. Et nous sommes ici ce matin pour demander. If you have any problem. Et si vous avez un problème. He's here this morning. Il est ici ce matin. You who are listening from your houses. Vous qui écoutez de vos maisons. If you have a problem. Si vous avez un problème. Just raise your hand. Juste levez vos mains. And say, Lord Jesus Christ. Et dites, Seigneur Jésus-Christ. I come as I am. Je viens tel que je suis. I am a sinner. Je suis un pécheur. Make me your son. Make me your daughter. Fais de moi ton fils. Fais de moi ta fille. Decide to follow him. Décidez de le suivre. There is a power behind every decision. Il y a une puissance derrière chaque décision. Let's all of us pray. Prions chacun d'entre nous. Père céleste, Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, Papa, parce que dans ta grâce, dans la journée d'aujourd'hui encore, tu appelles et tu as dit, pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous voulons livrer nos cœurs à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons livrer nos cœurs à toi, Père. Oh, décider pour toi, faire la paix avec toi, Seigneur. Oh, Jésus, viens, oh Père, visite nos cœurs. Oh, visite chaque chambre de notre cœur, chaque pièce, Seigneur. Viens nous en aide dans une heure pareille. Apporte le salut pour le cœur de tes fils et de tes filles, Père. Apporte le salut, Seigneur, encore ce matin. Ce bien évangile, fais-le briller, Père. Guide, conduis. Oh, Père, dans la lumière, comme tu conduisais les enfants d'Israël lors de cet exode, Seigneur. Et la colonne de feu. Brille devant nous, Seigneur, et conduis-nous encore. Merci, Seigneur Jésus. Viens, Père, au milieu de ton peuple. Oui, Père, répands ton onction au milieu de ton peuple. Merci pour la parole. Merci pour l'onction que tu as placée sur ton serviteur, Pasteur Adam, ce matin, Seigneur. L'inspiration de ce message. Oh, Père, renouvelle l'onction sur lui, Seigneur. Sur le ministère de cette église. Merci d'avoir été aussi avec notre frère Corneille là-bas, dans sa prédication, Seigneur. Merci d'avoir été avec tous les autres prédicateurs, avec notre frère David, à Nazareth, toutes les assemblées, Seigneur, que nous en merci. C'est dans un temps comme celui-ci, Père, ton message est parti dans le monde entier. Et nous te disons merci. We are going to pray again. Au nom de Jésus. We are going to pray for our young people in our midst. Nous voulons prier pour nos jeunes gens au milieu de nous. That the Lord protect them against the evil things of the world. Pour que le Seigneur les protège contre les choses mauvaises de ce monde. In the schools, the things they hear, the things they see. Dans les écoles, les choses qu'ils entendent, les choses qu'ils voient. On internet, the things they can see there. Et sur internet, les choses qu'ils voient là. We pray, Lord, that you will close your eyes to any evil things. Et nous voulons te demander, Seigneur, de fermer leurs yeux à toutes choses mauvaises. And open their heart to you, Lord. Et ouvrir leur cœur à toi, Seigneur. And give them the wisdom and the knowledge to learn the things they are learning in the schools. Puisses-tu leur donner la connaissance pour apprendre les choses
doivent apprendre à l'école. And also those who finish their studies, they're looking for a job, may you provide for them. Et ceux qui ont terminé leurs études et qui cherchent du travail, puisses-tu pourvoir pour eux. And also those who left the church. Et également ceux qui ont quitté l'église. Cannot say the church but the faith. Pas vraiment l'église, mais la foi. Those who left the faith, may the Lord bring them back to the faith again. Ceux qui ont quitté la foi, que Dieu tu puisses les ramener à la foi. And also those who want to get married, may the Lord bless them with a good husband, good wives. Et également ceux qui désirent être mariés, que Dieu leur donne des bons maris et des bonnes épouses. We pray that it be the choice of the Lord for them. Et je prie que cela soit le choix du Seigneur pour not eux. What they are choosing, but what the Lord has chosen for them. Pas ce que eux vont choisir, mais ce que le Seigneur a choisi pour eux. Let us pray for all our young people. Prions tous ensemble pour nos jeunes gens. Oh, Heavenly Father, oh Père Céleste, nous te disons merci Seigneur pour avoir un besoin pressant au milieu de l'Église. Nous voyons que l'incrédulité a augmenté dans le monde et elle se manifeste dans les écoles, les hautes écoles, les universités et partout où les enfants vont, Seigneur. Nous demandons que l'Esprit de Dieu vienne à la fois pour les aider à résister à l'incrédulité, Seigneur, et aussi pour les aider à apprendre les choses qu'ils doivent connaître pour leur profession, Seigneur. Seigneur Jésus, aide nos jeunes gens. Il n'y a pas un temps aussi difficile que cet dernier temps, temps de la fin, Seigneur, avec beaucoup de tentations sur Internet, sur les réseaux sociaux, Seigneur, sur Facebook, sur toutes ces choses, Père. Nous demandons, oh Père, que tu aides tes enfants à discerner, Seigneur, ce qui est édifiant et ce qui ne l'est pas, Seigneur. Oh Jésus, beaucoup de tes enfants ont besoin de travailler, Seigneur. Tu es celui qui donne du travail, Père. Donner mon travail à tes enfants, Seigneur. Et la question très très importante du mariage, Père. Oh Dieu, conduis tes enfants pour le choix du conjoint, Seigneur. Merci, Père. Oh Dieu, tu es encore capable, Seigneur. Dieu qui avait conduit Rebecca et Isaac. Oh Dieu, tu es le même Dieu aujourd'hui, Seigneur. Tu peux le faire pour tes enfants. Seigneur, soutiens ton peuple dans une époque comme celle-ci. Ton esprit se déploie sur tes princes et sur tes filles. Fortifie tes enfants, Père. Oh Jésus, fortifie tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voulons prier également, Seigneur. Si vous avez un besoin, levez la main alors que nous allons prier pour vous. Lord Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ. King of kings, Lord of lords. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. We are happy to be in your presence this morning. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin. Lord, we believe that you are here to bless us with your presence. Nous croyons que tu es ici pour nous bénir par ta présence. Thank you, Lord Jesus, for this message. Merci, Seigneur Jésus, pour ce message. The power of decision. La puissance de la décision. Lord, we decide to follow you, Lord. Seigneur, nous avons décidé de te suivre. I pray, Lord, let that be in the heart of every member of Amen Tabernacle. Seigneur, que ce soit la chose qui est dans le cœur de chaque membre de Amen Tabernacle. Lord, let all of us be as one person decide to follow you. Seigneur, accorde que nous soyons tous comme une seule personne décidant de te suivre. Because we know that you are the resurrection. Car nous savons que tu es la résurrection. Satan, the power of Satan can take us to the grave. La puissance de Satan peut juste nous amener à la tombe. But your power will bring us out of the grave. Mais ta puissance va nous faire sortir de la tombe. And give us eternal life. Et nous donner la vie éternelle. That's why we left our homes to come and hear, Lord. C'est pour ça que nous sommes venus de nos maisons pour écouter. Lord, you see the hands of your children that has raised up. Seigneur, tu vois les mains de tes enfants qui sont levées. I don't know anything about the need, what they need. Seigneur, je ne connais rien de leurs besoins. But you know, oh Father. Mais tu connais tout, oh Père. That's why I pray, Lord, that you will give every desire behind every hand. Seigneur, c'est pour ça que je prie que tu accordes à chaque cœur le désir qui est
dans le cœur. I also raise my hand, Lord. Et moi aussi, je lève ma main, Seigneur. To tell you that I am nothing. Pour te dire que je ne suis rien, Seigneur. I am just looking at you, Lord. Je regarde juste à toi, Seigneur. So that you will lead me to do the right thing. Pour que tu puisses me conduire pour faire la chose correcte. Lord, may you bless your children. Seigneur, puisses-tu bénir tes Those enfants. Those who are sick bring healing. Ceux qui sont malades apportent la guérison. Those who are possessed bring deliverance. Ceux qui sont possédés apportent la délivrance. Those who need the baptism of the Holy Spirit, may you fill them. Ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, remplis-les. Those who need salvation, may you save them, Lord. Ceux qui ont besoin du salut, sauve-les. Lord, let the power of your resurrection fill each and every one of us, Lord. Seigneur, accorde que la puissance de la résurrection puisse remplir chacun. Lord, I pray that you will put in the heart of every member of Amen Tabernacle the brotherly love. Seigneur, je prie pour que tu mettes dans le cœur de chaque membre d'Amen Tabernacle l'amour fraternel. Lord, may you cast out every hatred. Seigneur, puisses-tu chasser toute haine. Every evil spirit. Tout mauvais esprit. Every enticing demons. Tout esprit de séduction. I come against it in the name of the Lord Jesus Christ. Et je viens contre cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. The brotherly love may lead this church to eternity. Je prie que l'amour fraternel puisse conduire cette église vers l'éternité. Lord, may you grant it, Lord. Seigneur, puisses-tu l'accorder. We also pray, we thank you for Brother Corneille. Seigneur, nous prions également et nous te remercions pour Frère Corneille. While he's feeding your children in Kinshasa. Alors qu'il est en train de nourrir tes enfants à Kinshasa. Lord, we pray, Lord, may you protect him and bring him back in our midst again. Seigneur, nous prions que tu puisses le protéger et le ramener au milieu de nous. We also thank you for the wife of Brother Enoch. Seigneur, nous te remercions également pour l'épouse du frère Enoch. And Enoch himself. Et pour frère Enoch lui-même. Who had the back pain in the past. Qui avait mal au dos dans le passé. Lord, may you have mercy upon Isaac also. Seigneur, puisses-tu aussi avoir miséricorde du frère Isaac. Lord, we believe that you have already healed him. Seigneur, nous croyons que tu l'as déjà guéri. Thank you also for Sister Miriam. Nous te remercions aussi pour Sœur Miriam. And as many as are sick in our midst. Et pour tous ceux aussi qui sont malades au milieu de nous. We also pray for Brother Destin in Kinshasa and his family. Nous prions également pour Frère Destin à Kinshasa, à Brazzaville et sa famille. And we pray, Lord, that you will you protect his mother-in-law who is coming tomorrow. Et nous prions qu'il puisse protéger sa belle maman qui va arriver demain. I think she is preparing to leave now to Brazzaville to Brussels. Je crois qu'elle prépare son voyage de maintenant de Brazzaville à Bruxelles. May you grant her a traveling mercy, Lord. Puisses-tu lui accorder, Seigneur, la miséricorde dans le voyage. We also pray for Brother Paul Matiaba in Kinshasa. Nous prions également pour Frère Paul Matiaba à Kinshasa. And as many as are listening to us this morning. Et autant qui sont en train de nous écouter ce matin. Sister Félicité, Sister Mami. Sœur Félicité, Sœur Mami. May you bless them while they are listening. Puisses-tu les bénir alors qu'elles écoutent. We also pray Father for Brother Nicolas in Romania. Nous prions également pour Frère Nicolas Mouti en Roumanie. And all the brothers and sisters who are in Ukraine. Et pour tous les précieux frères qui sont en Ukraine. Lord, during this war, may you protect them, Lord. Seigneur, pendant cette guerre, puisses-tu les protéger, Seigneur. And I commit the rest of the day unto your hands, Lord. Et je recommande le reste de la journée entre may tes mains. May you bless the tithe and the offerings. Puisses-tu bénir la dîme et les offrandes. Lord, we pray that you will bless their income. Et nous prions que tu puisses bénir leurs revenus. So that when they come, they bring something in your storehouse. Pour que quand ils viennent, Seigneur, ils puissent apporter quelque chose dans ton trésor. Bless every pocket that will bring something out.
puisses-tu bénir chaque poche qui donnera quelque chose. Even an empty pocket, et même une poche vide. So that next time they will also come with something. Pour que les prochaines fois ils puissent aussi apporter quelque chose. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. In Jesus' name we ask and pray. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons et prions. Amen. 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 May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. So next week we are together. La semaine prochaine, nous serons ensemble. Brother Cornet will come very soon. Et frère Cornet viendra bientôt. Then I will be a little bit released. Et après, je pourrai un peu me reposer. Amen. Amen. We keep him in our prayers. Nous le gardons dans nos prières. Amen. So that the Lord bring him safely in our midst again. Pour que le Seigneur le ramène sain et sauf au milieu de nous. May God bless you richly. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons nous lever, on va chanter tous ensemble. Amen. Seigneur, le rouleau de Dieu.
tenir le tout. C'est Jésus, le tout puissant, c'est Jésus, le tout puissant, l'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Soit loué. Oh, qui soit loué. Alléluia. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Alléluia. Oh,
Oh, qui soit loué, alléluia.